Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Geoffroy Guichard où vous allez assister dans quelques minutes au quart de finale de la Coupe d'Europe, match retour qui va opposer Saint-Étienne à l'équipe de Kiev. Si toutefois je parviens à me faire entendre, parce qu'ici les 30 000 spectateurs présents, c'est peut-être une des seules fois qu'à Geoffroy Guichard on a vu une assistance de cet ordre, sont d'autant plus bruyants qu'on leur a offert tout à l'heure des porte-voix. Alors que peut-être sur le terrain actuellement, M. Donella, l'arbitre de la rencontre, qui est italien, qui précède les deux équipes. C'est la 30e rencontre européenne pour Saint-Étienne, qui, je vous le rappelle, n'a perdu qu'une fois sur son terrain en 1970, 1-0 contre les Jeux de Varsovie. Cette année, Saint-Étienne a battu en 16e de finale Copenhague, les Glasgow Rangers, et a perdu au match aller contre Kiev sur le score de 2-0. Il faut dire que Saint-Étienne a connu déjà deux situations similaires. L'an dernier, battu à Split 4-1, il gagne au retour 5-1 après prolongation et se qualifie. En 1970, battu 2-0 à Munich par le Bayern, ils prennent leur revanche par le score de 3-0 et se qualifient aussi. Vous connaissez les données du problème. Si Saint-Étienne perd, s'il fait match nul, il est éliminé. S'il gagne 1-0, 2-0, 3-1, il est éliminé aussi. C'est le règlement de la Coupe d'Europe, puisqu'il faut marquer le plus de buts possible à l'extérieur. À 2-0 par contre, on jouerait les prolongations, éventuellement les pénalties. Saint-Étienne se qualifie s'il réussit un score de 3-0. Mais ne rêvons pas trop pour l'instant, malgré l'enthousiasme qui règne ici, il est très difficile effectivement de rester très calme. Il faut en tout cas, pour bien situer la question, que Kiev ne marque pas. Tout but de l'équipe de Kiev serait catastrophique. La composition des équipes pour le Dynamo de Kiev. Dans les buts, Rudakov. Arrière, de droite à gauche, numéro 6, Prochkin. Numéro 4, Fomienko. Numéro 5, Rejko. Numéro 3, Matvenko. Milieu de terrain, numéro 2, Konkov. Numéro 9, Kolotov. Numéro 10, Veremeyev. À l'avant, numéro 8, Onichenko, numéro 7, Bouriak, numéro 11, Blokhin, qui, vous le savez, a été sacré récemment le meilleur joueur européen. L'équipe de Saint-Étienne se présente dans sa formation habituelle. Sachez simplement que Christian Saramagna fait son entrée à l'aile droite. Alors que peut-il se passer dans cette partie? Eh bien, il est assez facile d'imaginer. Kiev, qui est une équipe très technique, qui sait garder énormément le ballon, profite de l'avantage de deux buts, elle va peut-être essayer de le conserver. Il faudra pour cela que les Stéphanois luttent sur chaque balle, profitent de l'avantage énorme que procure ce public, cette ambiance tout à fait exceptionnelle, et que l'on soit sportif ou non, je crois que ce soir, on peut vibrer sur un événement qui a pris une dimension vraiment internationale. Et il n'y a pas que le stade d'ailleurs qui vibre, toute la ville, et M. Janela vient de donner le coup d'envoi par Vatney. Je vous rappelle que l'équipe de Saint-Étienne est en maillot vert ou en maillot sombre, si vous avez le noir et blanc. Les Russes jouent en maillot blanc et culotte bleue. Eh bien, c'est parti tout de suite. Il règne vraiment ici une ambiance de Coupe d'Europe. Vous entendez les 40 000 spectateurs qui sifflent l'équipe du Dynamo de Kiev. Ce n'est pas très sportif, mais si je puis dire, c'est de bonne guerre en Coupe d'Europe. Car c'est la formule des matchs aller-retour. Saint-Étienne a deux buts de retard, deux buts qu'il faut à tout prix rattraper, alors que là vous avez vu une faute de Lopez sur un attaquant soviétique, et le public siffle, mais pas Lopez, la faute était sur Veremeyev. Le public siffle l'arbitre, l'italien M. Gonella, qui a, à juste titre à mon avis, a sifflé coup franc pour les soviétiques. Donc 45 minutes pour la première mi-temps, 45 en deuxième. Et dès que Saint-Étienne a la balle, 40 000 spectateurs hurlent car ils savent qu'il faut que Saint-Étienne marque un but assez rapidement pour espérer se qualifier. Car bien entendu, le temps joue en faveur des soviétiques. La 6 pièces d'un milieu de terrain pour Sinaigel, le numéro 10. Et la foule qui crie, allez les verts, Parison. L'arbitre laisse jouer, c'est Saramagna. L'arme suprême de Saint-Étienne qui ne jouait pas le match aller, qui est à l'aile gauche. Un joueur qui a été blessé pendant très longtemps, qui a fait sa rentrée contre Nice en championnat, qui a très bien joué. Et Saramagna, par ses centres à retrait, ses centres listés, peut évidemment créer le danger pour l'équipe de Kiev.
Pour l'instant, pas d'occasion dangereuse de part et d'autre. Mais toujours ce public de Saint-Étienne, ce terrible public qui crie « Allez les Verts !» Et croyez-moi, il ne s'arrêtera pas pendant 90 minutes. Voyez Kolotov, le capitaine de l'équipe pour Konkov. L'équipe de Kiev, bien sûr. Voyez une faute de Saramania sur Konkov. Et le public qui siffle, qui manifeste, comme il ne le fait jamais en championnat, mais c'est la Coupe d'Europe. Une qualification pour les demi-finales. Konkov, alors que Blokhin est parti comme une fusée sur l'aile droite, mais c'est finalement Lopez qui a contrôlé cette balle pour Saramania. À la rapidité de Blokhin, des contre-attaques de Kiev. Badney, Dominique Badney pour Farizon. Interception de Trochkin, le numéro 6. Un arrière-droit très offensif. Contré par l'arquet, Saramania. La balle est à Colotan, non, c'est Rostow. Et oui, on craignait pour Rostow qui était blessé. Alors que Piazza a été monté à l'attaque, mais c'est un coup franc qui fait par M. Gonella, l'Italien. Alors qu'on joue depuis à peine 3 minutes, un coup franc qui va être tiré par l'arquet à environ 35 mètres et but gardé par Rudakov. Et déjà le public réclame un but. Et oui, un but du public, Sinagel, contré par Kolotov, une touche. La remise en jeu va être effectuée sans doute par Saramania pour Sinagel. Jean Vion là qui charge dans le dos, Blokhin, c'est un coup franc. Oui, M. Gonella a raison, malgré les sifflets du public, charge dans le dos de Jean Vion sur Blokhin. Veremeyev, le numéro 10, pour Blokhin, numéro 11, qui est très en retrait pour Veremeyev. Il n'y a que 3 attaquants dans l'équipe de Kiev. Et voilà Hervé Révelli qui contre-attaque, qui donne à Farizon. Ah, les Stéphanois l'ont annoncé. Ils vont essayer de prendre les joueurs ukrainiens à la gorge, de faire le pressing. Voici l'arquet, qui a Jean Vion à sa droite. Il cherche Saramania, et il trouve Matvienko. Et encore battu pour Hervé Révelli. Et un dégagement vraiment un peu n'importe comment de Konkov. Là, le public a raison de siffler car les Soviétiques perdent leur sang-froid. Oui, cette première période de Saint-Étienne était un peu prévisible. Il est certain que Saint-Étienne a intérêt à tout prix à marquer des buts d'abord, c'est une évidence, mais à prendre les Russes à la gorge et vraiment leur imposer psychologiquement sa loi. Mais ceci comporte des risques aussi. On sait, on connaît la valeur de Blokhin, on connaît la valeur d'Onichenko, tout en ce qui concerne la vitesse, et il y a toujours le risque du contre. Et n'oublions pas que nous aurons pendant toute cette rencontre, et c'est ce qui en fait un peu sa beauté, ce suspense qui va régner tout du long, à savoir qu'il faut à tout prix que les Russes ne marquent pas. Jean-Michel Larquet tire le coup franc. Cette réussite par Hervé Révelli devant Rudakov, malgré la taille de Rudakov qui, je vous le rappelle, mesure 1m92. Hervé Révelli avait réussi une tête qui malheureusement est passée au-dessus de la barre transversale. Nous voyons l'action, l'arquet a tiré le coup franc. Hervé Révelli saute plus haut que Rudakov. Et ceci est un véritable exploit de la part de Révelli. La principale qualité du gardien soviétique réside bien entendu dans sa très haute taille et donc son habileté sur les balles hautes. Une balle pour Blokhin. De la tête en touche. Vous remarquerez que Jean Vion est collé à Blokhin. Alors que Kolotov est parti sur la droite, marqué étroitement lui aussi par Farizon. Trochkin. Première attaque pratiquement soviétique. Et un tir raté de Veremeyev. Jean Vion pour Farizon. Un tapé dangereux. Kolotov. Veremeyev à sa droite. Et c'est Jean Vion qui se trouve sur la trajectoire, qui accompagne pour Kurkovic. Jean-Michel Larquet, qui avait été relativement malheureux au match aller et qui a un désir de rachat qui pourrait nous valoir une très grande partie du meneur de jeu stéphanois ce soir. Onichenko, qui était un certain, qui avait été blessé à Nantes lors d'un match amical entre Kiev et Nantes, mais qui joue tout de même. Blokhin, vous voyez, on se trouve Blokhin pratiquement en position derrière, il était venu rechercher cette balle que Veremeyev préfère donner à Rudakov. Les Russes prudents,
qui pour l'instant n'ont pas pu appliquer leur technique, à savoir leur tactique tout au moins, monopoliser. Attention, Blokhin à la lutte avec Lopez. Blokhin est très rapide, compris une première fois par Lopez, il est encore en possession de la balle. Bouriac, un centre repris par Piazza. Jean-Michel Arquet en relais, pour qui? Pour Piazza qui a débordé. Magnifique action de Saint-Etienne. Attention aux déviations. Derver et Belli. Malheureusement qu'il est parvenu à destination. C'est la plus belle action de ce début de partie. Et c'est une action encourageante pour les Stéphanois. Pour l'instant, le monopole du ballon n'appartient pas du tout à Kiev, comme on pouvait s'y attendre. Coup franc sur Rostow. Et ça, c'est très important. Non pas le coup franc, mais à savoir que M. Gonella siffle les coups francs sur Rostow. Souvenez-vous, à Kiev, Rostow était victime d'une dixième de coup franc. Et si Saint-Etienne joue bien entendu devant, si Rostow est plus près de la surface ou carrément dans la surface, et si les arrières russes jouent pareil, il pourrait y avoir des fautes favorables pour Saint-Etienne. Piazza pour l'arqué de la tête. Il y avait Saramagna, il y avait Vasnet. La défense soviétique préfère assurer. C'est Konkov qui est pratiquement en position d'arrière, qui a monté cette balle. Bouriac. Konkov à nouveau. Alors que le public se déchaîne. Manifestement, les Russes ne sont pas habitués à ce genre d'ambiance. Bouriac qui a retrouvé Konkov. Les deux hommes s'entendent bien. La balle pour Rostow. Ah, il est seul, ils étaient trois. Il est très difficile de passer. L'arquet a récupéré. Pour Hervé Révelli. Et une faute d'Hervé Révelli pour jeu dangereux, a estimé M. Gonella. Il a semblé que les deux hommes luttaient pour la balle, apparemment dans la même position. Rudakov. Lopez de la tête. L'arqué. Piazza. Vatnet. Vatnet qui glisse pour Farizon. Qui va donner sûrement sur Saramagna, c'est fait, à l'aile gauche, à Farizon à nouveau. Il faut ouvrir maintenant sur la droite, à Farizon préfère tirer. Et regardez, un tir de Farizon qui a surpris tout à fait le géant Rudakov, qui n'est pas bien entendu très à l'aise sur les balles à terre. Et il est certain que Robert Armin a dû dire aux Stéphanois de tirer justement à terre pour essayer de prendre en défaut Rudakov. Saramagna en corner. Tiré à terre, malheureusement, aucun Stéphanois n'était là. Attention, Lichenko. Ah, Konkov attaqué par deux Stéphanois, mais a réussi à passer. Et Rostow est allé à la lutte sur Rejko. Interception stéphanoise. Beremeyev et Rejko n'ont pas réussi à passer du côté gauche. Mais pour l'instant, en tout cas, les Russes n'imposent pas leur jeu. Blokhin, Beremeyev, qui préfère laisser pour Bouriac. J'ai après 11 minutes de jeu, toujours 0-0, mais on peut dire que déjà, les Stéphanois ont rempli une partie de leur contrat. Ils attaquent, le public les soutient. Et vous avez vu tout à l'heure Rudakov sur un tir peu appuyé de Farizon lâcher la balle et concéder un corner. C'est dire si ce soir, je pense, l'équipe de Kiev est vulnérable. Pour l'instant, cette action ne donne rien, mais les Stéphanois font le pressing comme c'est leur jeu de le faire. Puis ils ont été battus par 2-0, je vous le rappelle tout de même, au match aller. Et après 11 minutes de jeu, donc toujours 0-0, mais Saint-Etienne, poussé par un public qu'on n'a jamais vu aussi enthousiaste ici, eh bien Saint-Etienne domine. Évidemment, quand Saint-Etienne domine, c'est toujours un peu dangereux, mais Saint-Etienne est bien obligé de dominer pour essayer de combler son handicap de 2 buts concédés au match aller. Et voilà Farizon pour Sinegel, le numéro 10. Saramagna, alors que Farizon est à l'aile gauche. Et que Rostow lui aussi est passé à gauche. Ah mais c'est Kolotov qui tranquillement donne à Onichenko en position d'ailier droit. Onichenko qui n'avait joué qu'une mi-temps la première à Saint-Féropol. Il s'était blessé à Nantes, comme vous l'a dit Pierre Cangioni.
qui donne un retrait à, au numéro 6, c'est-à-dire Troschin, qui fait une transversale pour son arrière Matvienko. Et oui, Kolotov, très en retrait, voyez Kolotov. Pour Konkov, qui a marqué le premier but contre Saint-Étienne. Évidemment, les joueurs de Kiev ont intérêt à garder la balle, à prendre tout leur temps. Deremeyev, c'est très dangereux, il y a un dégagement de Piazza pour Larquet. Jean-Michel Larquet, le capitaine, qui a battu à sa gauche. Dinaigel à sa droite. Il donne à Saramagna, qui est tout seul à l'aile gauche, qui va être attaqué par Matvienko, par Troschin plutôt. Et c'est une touche en faveur du Dynamo de Kiev. Oui, Saramagna, pour l'instant, n'a pas eu encore l'occasion de déborder et de centrer, alors que vous savez, une des armes de Saramagna, c'est son pied gauche, ses centres en retrait, très lifté, qui trompe la plupart du temps la défense. Donc, toujours 0-0 après 13 minutes de jeu maintenant. Et Olis Troschin qui fait une remise en jeu à la touche pour Konkov. Mauvaise touche, dit l'arbitre, monsieur Gonella. Donc, touche pour les Stéphanois. Dominique Battenet va effectuer la remise en jeu. Très entrée pour Lopez. Jean-Michel Larquet. Oui, en bonne position de tir, un tir terrible. Oui, c'est un but. J'allais dire, c'est le but. J'allais dire, c'est le but. Car sur ce tir terrible, voyez l'action ralenti, le tir du droit de l'Arquet, Rudakov repousse et Hervé Revelli suit, mais auparavant c'est Fomienko qui dégage. Et oui, j'ai failli crier but, voyez. Hervé Revelli était à l'affût, mais Fomienko était plus prompt. Dinaigel, Saint-Étienne domine toujours. Pour Saramagna, tir du gauche. Ah là là, Rudakov était masqué, le tir est de peu à côté. Et voilà deux occasions pour Saint-Étienne en 30 secondes. Les Stéphanois ont le match en main, et bien entendu, pour l'instant, ils n'ont pas marqué de but. Une occasion pour Hervé Revelli après un tir terrible de l'Arquet. Et là, à l'instant, Saramagna avait très bien joué. Un tir du gauche qui aurait pu surprendre Rudakov, le gardien de but de Kiev, car il était masqué. Deremeyev à la balle maintenant. Un retrait pour Konkov. Contré par Hervé Revelli, c'est Dinaigel. Battenet, bien joué pour Rostov. Et oui, belle feinte, ah, c'est dommage. Parizon était là lui aussi. Tous les Stéphanois sont à l'attaque. Là c'est Larquet qui donne un retrait pour Piazza maintenant. Après un relais de Jean-Vion. Saramagna à position de l'ailier gauche, mais il a deux joueurs contre lui, Saramagna. Ah, une faute de Lichenko. Lichenko sur Saramagna. Et oui, Piazza se dépêche, vous voyez Saramagna, grâce aux caméras de Pierre Badel. C'est dommage car Saramagna est un peu fragile. Ce serait dommage qu'il soit blessé, il a pris un coup. Espérons que ce ne sera rien. De toute façon, il y a de bons remplaçants à Saint-Étienne, notamment Patrick Revelli. Et oui, Saramagna semble souffrir de la cheville. Ah, il est assez fragile, Saramagna. Mais là, il faut dire que le Onichenko est un peu... Le contact est un peu dur, un peu sévère. Et c'est Larquet qui va tirer ce coup franc. Coup franc donc tiré par Jean-Michel Larquet. Alors que Saint-Étienne domine, on attend le but. Non, non, là c'est Rostov qui avait poussé dans le dos Matvienko. Donc, remise en jeu au 6 mètres pour l'équipe de Kiev. Après un quart d'heure de jeu, on peut essayer de tirer déjà une sorte de conclusion, en tout cas très partielle bien entendu, mais ce n'est plus du tout la même équipe de Saint-Étienne que nous avons vue à Kiev, et par contre coup, ce n'est plus la même équipe de Kiev bien entendu. Saint-Étienne a pris le match en main comme il fallait faire, c'est-à-dire sans complexe, sans la peur du compte. C'est en somme la politique du tout ou rien, il faut à tout prix marquer, et on voit que quand ils sont dominés, l'équipe de Kiev, les équipiers de Kiev n'ont plus la même assurance. Ce n'est plus le petit jeu, ce ne sont plus les passes qui arrivent très bien, qui obligent l'adversaire à venir vers soi, mais au contraire, ils sont tout à fait étouffés en ce début de partie, bien entendu. N'anticipons pas. Quant à la suite, Rostov, Hervé Revelli,
Dégagement à Reschko. Jean-Michel Larquet. Sans doute pour Piazza. C'était Batet. Vermeyev, très longue balle pour sans doute destinée à Blokhin qui était parti. Mais trop tard, Lopez était resté en couverture. Jean Vion. C'est devant lui Piazza. Le relais est fait. Pour Jean-Michel Larquet à droite. Il y a Rocheteau. Et malheureusement, Rocheteau n'a pu contrôler cette balle un peu forte de Jean-Michel Larquet. Et Rudakov en a hérité. Vermeyev, le long de la ligne de touche. Pour Fomienko. Konkov. Konkov, attention pour Blokhin. Blokhin qui contrôle du pied droit. Relais derrière pour Vermeyev. Attention, Kolotov. Bouriak. Bouriak en position d'ailier droit. Avec Batenet devant lui. Centre, mais contrôle Tina Hegel. Lopez et Farizon. C'est reparti pour Saint-Etienne. Tina Hegel cherche Rocheteau qui a changé d'aile, qui est à gauche. Il y a Saramagna. À gauche qui est parti. Qui a la balle. Un tacle glissé. Qui est tout à fait normal, le Fomienko. La touche pour les Russes. Vermeyev l'a laissé passer pour Matvienko. Matvienko, un arrière très offensif. Les deux arrières russes d'ailleurs sont très offensives. Un petit pont réussi sur Jean-Michel Larquet et un tir. Il est non pas dans les nuages selon l'expression traditionnelle, mais pratiquement se découpant sur le ciel presque encore bleu de Saint-Etienne. Il a fait une journée splendide et la température est idéale pour le football. Lopez, Batenet. Piazza à gauche, Jean-Michel Larquet à droite. Pour qui? Jean Vion en soutien. Peut faire jouer Rocheteau. Rocheteau, Jean-Michel Larquet. Une balle qui est destinée à Hervé Révelli. Et Jean Vion de la tête. Le duel Jean Vion-Blokhin est vraiment à suivre. Le numéro 1 soviétique et le numéro 2 français. Matvienko à la touche. Vermeyev. Non, pour personne. C'est Lopez qui récupère. Il a Batenet à sa droite. Voilà, c'est fait. Pratiquement tous les joueurs de Saint-Etienne sont dans la surface. Ah, attention! Dégagement au point presque raté. Et tir de Jean-Michel Larquet, reprise de volée magnifique du pied droit. À quelques centimètres du poteau gauche, regardez. Jean-Michel Larquet contrôle, reprend. Et à quelques centimètres du poteau gauche, il y a eu trois occasions françaises très nettes. Et la défense russe sans s'appeler pour autant. Et quelque peu malmenée. Surtout surprise, et c'est normal par ces tirs lointains, mais il semble que les Stéphanois aient pour consigne de tirer de loin, sachant que Rudakov n'est pas très sûr. Et nous en avons eu la preuve tout à l'heure. Batenet s'infiltre, mais ils sont deux. Et il sera très difficile de passer, c'est ce qui est arrivé. Le public réclamant un corner. Monsieur Gonella, l'arbitre italien, en décidant autrement. Et il y a même un coup franc d'ailleurs. Auquel on ne s'attendait pas, c'est Batenet qui était l'auteur présumé de ce coup franc. Rudakov. Lopez de la tête pour Saramagna. Saramagna pour Farizon. Farizon en profondeur, cherche la tête de Rocheteau. Rochkin a raté cette balle. Konkov l'a mal dégagé. Et c'est Jean-Michel Larquet qui donne devant. Une balle qui a poussé en profondeur en espérant que Rocheteau pourrait parvenir avant son adversaire soviétique. Blokhin qui a devant lui Onichenko. Les deux grands ailiers soviétiques. Attention à Blokhin, suivi par Jean-Vion. Onichenko qui a contrôlé du pied droit. Kurkovic.
Saint-Étienne fait absolument le match que l'on attendait de lui. Ça a été annoncé, le président Rocher, Robert Arbin, tout le monde l'avait dit. Mais aucun doute n'est plus permis, ils sont en super condition. Et ils font surtout tout ce qu'il faut. Kolotov. Bauriac contre Farizon. Hervé Révelli à la lutte avec Onkoff, qui obtient un gain de cause. Effectivement, Onkoff avec quelque peu tenu, Hervé Révelli. Le coup franc est français. Jean-Michel Larquet va sans doute le tirer. Juste en face, dans l'axe principal du but. Là, tout le monde est monté, à part Piazza et Lopez qui sont restés en couverture. Tout le reste de l'équipe est devant. Voilà, cherche Vatney à droite. Tête contrée. Et les Russes se dégagent par Blokhin. C'est lui. Il est partout. Mais c'est un peu la façon de jouer des Russes. Les ailiers sont souvent arrière et inversement les arrières ailiers. Vatney. Janvion. Janvion essaie de passer par le centre, à chercher Farizon, l'arqué de la tête, Farizon remet dans le paquet, Sinaïguel a remis, attention, Rocheteau qui arrive. Rocheteau est arrivé mais bloqué par deux Russes. Il a réussi cette tête mais avec un peu d'efficacité bien entendu. Troisième minute de jeu et toujours 0-0 entre Saint-Étienne et le Dynamo de Kiev dans ce match qui, je vous le rappelle, compte pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Les clubs champions à l'aller, Kiev avait gagné par 2-0 et depuis plus de 20 minutes maintenant, les Stéphanois dominent, les Verts dominent, mais ils n'ont pas encore marqué de but. Ils ont pourtant eu 3 ou 4 occasions alors que les Soviétiques ne procèdent que par de rares contre-attaques. Toujours la balle aux Stéphanois. Avec Jean-Michel Arquet qui effectue la remise en jeu pour Batney, Sinaïguel, Kolotov maintenant, la balle est pour Dynamo de Kiev. Onichenko est tout seul à l'avant et Lopez préfère laisser à Kurkovic son gardien de but. Pour l'instant, les Soviétiques n'ont pas été dangereux. Il faut dire qu'ils jouent très regroupés en défense avec 5 hommes en défense, 3 au milieu du terrain et 2 seulement en attaque. Et encore par intermittence, Janvion. En revanche, presque tous les Stéphanois. Blokhin, attention, les contre-attaques de Kiev, Kolotov peuvent être dangereuses. Onichenko devant Farizon, car cette équipe est spécialiste du contre. Et là, c'est Farizon qui a contré. Piazza, qui était très en retrait, Piazza, sur cette action. Sinaïguel pour Saramagna. Ah, ça peut être dangereux, Saramagna qui approche la surface de réparation et obtient un corner. Corner concédé par Kankov, le numéro 2. Et voilà, toujours Saint-Étienne qui domine. 25 minutes de jeu, 0-0, mais le but chauffe. Et oui, le public réclame toujours un but, un but. Oh là là, Rocheteau qui a été chargé un peu irrégulièrement, mais les deux joueurs sautent en Blokhin. Blokhin très dangereux sur contre-attaque, il est tout seul. Il y a Blokhin, il y a 4 Stéphanois en défense. Seul Bauriac d'avancer un petit peu, c'est dire si Kiev essaye de préserver ses 2 buts d'avance. Et puis de toute façon, quand une équipe domine comme le fait actuellement celle de Saint-Étienne, il est bien sûr difficile d'attaquer. En tout cas, Kiev ne peut pas pratiquer sa tactique habituelle de faire tourner la balle à l'arrière, car les Stéphanois l'avaient annoncé. Eh bien, ils vont chercher la balle derrière, ils ont raison. Attention, la Kolotov, Hervé Révelli, alors que c'est Jean-Michel Arquet qui est en position d'avancement, c'est assez curieux. Voilà Piazza qui a donné la balle à l'arquet. À nouveau pour Piazza. Saramagna. Oui, je sentais la passe pour Saramagna. Et non, Saramagna n'a pas pu passer Trochkin. Il faut dire que Saramagna a toujours 3 joueurs contre lui. On le craint du côté de Dynamo de Kiev. Pourtant, il n'a pas joué le match aller. Alors qu'à Kiev, on ne peut pas faire circuler la balle à l'arrière. Voyez, les Stéphanois ont raison de gêner le jeu soviétique qui d'habitude les joueurs du Dynamo de Kiev font tourner la balle à l'arrière. Là ils ne peuvent pas, alors leurs passes sont imprécises. Batney, Dominique Batney du milieu du terrain. Alors que l'arqué paraît blessé, je crois. Jean-Renard, lui, me semble. Attention, Rocheteau pour Saramagna. Il y avait coup franc de la part de Kolotov, signalé par l'arbitre.
alors que Jean-Michel Arquet, je voulais vous le signaler, était venu sur le bord de la touche pour une douleur à la cuisse droite. Ceci peut être important. Il a déjà une genoulière, la jambe droite, et manifestement, il était touché à la cuisse. Quant à Saramagna, il semble que la douleur se soit atténuée maintenant et qu'il ait retrouvé toutes ses facultés. Attention le coup franc, le mur soviétique devant Jean-Michel Arquet sur passe de Saramagna, mais contré. Lopez relance. Saramagna, très bonne balle pour la tête d'Hervé Revelli. Kolotov, Bouriak, complètement replié, sur Troshkin. Voilà, ça c'est le jeu typique soviétique, mais il ne faudrait pas qu'ils s'amusent à le faire devant leur but ce soir. Voilà, une mauvaise passe qui échoue à Jean-Michel Arquet. Sinagel, Saramagna, il a sa gauche Parizon. Voilà, il prend appui sur Parizon. Contré par Blokhin lui-même. Et qui partait au sprint, comme à son habitude, mais bloqué par Sinagel. La touche est soviétique. Bouriak à la touche. Konkov, non, on ne passe pas son gardien, réfléchit, relance. Kolotov, c'était destiné à Blokhin. La passe est de mauvaise, il semble que les Russes s'énervent quelque peu. Et les mimiques de Blokhin sont très significatives. On sent que tout ne va pas très très bien dans cette équipe de Kiev. Qui n'a pas pour autant match perdu parce qu'ils ont deux buts d'avance. Et s'ils marquaient, tout serait fini pratiquement pour Saint-Étienne. Jean-Michel Arquet a relancé. Saramagna. Saramagna sort du pied gauche. Bah, Rudakov fait le premier sur la balle. Et ça repart. Kolotov a essayé de lancer Blokhin, mais Jean-Dion était sur la trajectoire. Parizon. Parizon qui va laisser pour Saramagna, c'est fait. Préfère repartir au centre Sinagel. Pour Jean-Dion. Jean-Dion va changer d'aile, oui. Pour Jean-Michel Arquet au centre du terrain, qui peut tenter un tir. Non, essaie de trouver Hervé Revelli. Lopez a récupéré. Tous les joueurs de Saint-Étienne sont dans le camp soviétique. Jean-Michel Arquet n'était pas le premier sur cette balle. Fomienko l'a devancé. Rocheteau la touche. Rocheteau. Rocheteau du pied gauche. Tir contré. Tir contré qui n'est pas passé très loin et qui, à mon avis, était dans le cadre s'il avait suivi sa trajectoire normale. Un troisième corner pour l'équipe de Saint-Étienne. Tiré par Jean-Michel Arquet. Attention à la tête de Piazza. Non, il était mal placé. Attention à la reprise. Contré par Bouriak. Jean-Vion essaie de remettre dans le paquet. Ah, il faut éclaircir le jeu. Tous les Russes sont au centre. Voilà, c'est fait sur l'aile. Lopez a trouvé Jean-Michel Arquet le long de la touche. Jean-Michel Arquet qui fait une partie extraordinaire pour l'instant. Ainsi que Piazza d'ailleurs qui relaie. Piazza du pied gauche. Parizon n'a pas pu saisir de la balle. Piazza arrivait. Et l'arbitre a sifflé pour une faute de Osvaldo Piazza. Une occasion pour Kiev de repartir. Konkov cherche Matvienko. Matvienko pour Reshko. Konkov. Konkov toujours qui cherche un partenaire démarqué. Et qui ne le trouve pas. En tout cas, qui trouve Vatnet. Qui en profite pour lancer Saramagna. Non, Saramagna voulait lancer à gauche, mais Parizon était bloqué. Regardez, regardez les dribbles de Saramagna, merveilleux, qui a retrouvé pratiquement tous ses moyens. Vatnet remet dans le paquet. Saramagna du pied gauche. Soulève la balle. Prise de l'extérieur du pied avec l'effet qu'elle avait. Cela n'était pas facile. Mais Saramagna a tenté, et ce qui fait surtout plaisir, je pense que vous avez les mêmes réactions que moi, c'est de voir des Stéphanois qui tirent. Ce qu'on avait regretté à Kiev en dehors de la domination territoriale, normale à l'extérieur pratiquement. Alors que l'arbitre, M. Gonella, intervient pour faire respecter le temps. C'est d'autant bien que l'équipe de Kiev va tout faire pour gagner du temps, en en perdant bien entendu par rapport au jeu. Il a donné l'ordre à Rudakov de jouer plus rapidement. Piazza, Jean-Vion préfère donner à Kurkovic.
une action qui aurait été sifflée à l'extérieur, qui est applaudie à Saint-Étienne. Rocheteau, attaqué dans le dos, normalement par premier gauche, ça repart, attention, Blokin. Blokin balle au pied, et renvoie Lopez, qui l'attendait. Hervé Revelli, Sinagel, Saramagna. Ah, il a voulu passer entre les deux pour Sinagel, qui attendait cette balle, mais contre Konkov, qui décidément est partout. Blokin. Voilà, et les Soviétiques préfèrent assurer. D'ailleurs, il y a quelques petites disputes dans la défense soviétique. On n'a pas l'air d'être d'accord sur ce qui se passe derrière. Vermeyev. Très grand technicien, Vermeyev. Attention, Trotchkin qui arrive à toute vitesse, mais qui manque son centre. Il cherchait Blokin à sa gauche et c'est Piazza en grande enjambée. Contré Piazza, l'arbitre de Slouy, il a raison, il y a avantage. Battenet en position d'ailier droit. Mais ils étaient deux. Et Vermeyev a eu le dernier mot. L'autre était Matvienko, l'arrière-gauche. Voilà, les Soviétiques nous avaient davantage habitués à ce jeu. Ils vont tenter maintenant, spéculant peut-être sur un peu de fatigue de la part de Saint-Étienne, de faire courir ce ballon et de faire courir les Stéphanois. Voilà, c'est très net. Et puis tout d'un coup, il y aura une accélération de la part de Blokin, qui a actuellement la balle. Ou Donichenko, regardez, Blokin. Non, mais Lopez va être le premier, il profite du contre en plus. Attention, Lopez, Piazza à sa droite, c'est fait. Battenet, non, préfère aller sur l'arquet. Ah, c'est dommage, il n'y a pratiquement personne à la droite. Si, Sinagel maintenant, mais c'est un peu dégarni. Janvion. Janvion, Saramagna à gauche. Saramagna, Janvion. Va renverser, voilà. Tête à Verevelli. Rocheteau lutte. N'y parvient pas. Attention, un tir de Farizan de la gauche. C'était bien tenté, Farizan. Dans un paquet de joueurs. La balle étant morte un peu pour tout le monde. Elle ressortait du paquet. Farizan a tenté du gauche. Et il aurait pu réussir. Et les minutes passent. 35 minutes maintenant, 10 minutes avant la mi-temps. Et toujours 0-0, et oui, Saint-Étienne a dominé. Saint-Étienne fait le match qu'on attendait de lui, mais Saint-Étienne pour l'instant ne marque pas. Et toujours ces deux buts concédés à Saint-Féropol. Et encore une fois, Saint-Étienne repart par Piazza. Allez les Verts, crient le public avec peut-être un peu moins d'enthousiasme que tout à l'heure. Et Saint-Étienne domine à nouveau et les Soviétiques s'affolent un petit peu. Là c'était Fomienko qui avait dégagé un peu n'importe comment. Envisage effectué à la touche par Saramagna pour l'arquer. Pour Janvion, un retrait pour Lopez. La Farizan maintenant est un véritable ailier droit. Hervé Revelli a tenté de la tête, mais c'est Reschko qui dégage. Saramagna, Sinagel, pardon, je veux dire. Et encore un dégagement n'importe comment de Reschko. Ah là, c'est Lopez, bien sûr, qui contrôle la balle tranquillement. Car il n'y a que Onichenko et Blokin qui sont en attaque du côté du 10e de Kiev. Et l'arqué, à nouveau, c'est Saint-Étienne qui domine, qui a la balle. Vous avez dit Farizan, ailier droit. Mais marqué par Fomienko, le libéro. Tous pour Kiev. Bolotov. Bouriak. Un retrait pour Matvienko. Battenet. Un tir terrible de très loin, mais à côté, nettement à côté. Nettement à côté, Rudakov va dégager. Alors qu'on joue maintenant depuis 35 minutes et que la marque est toujours de 0-0. Donc 10 minutes avant la mi-temps. 10 minutes pour marquer un but, car évidemment l'idéal ce serait que Saint-Étienne marque un but dans chaque mi-temps. Et l'emporte dans la prolongation. Janvion qui a pris la balle à Bouriak. Pour Sinagel, Janvion, Saramagna, ah non, Saramagna qui a été pris à contre-pied par la passe de Janvion. Bouriak, très replié pour Trotchkin. Loin avant, mais il n'y a personne, bien sûr, les Soviétiques sont tous en défense. Il y a Lopez, bien entendu,
Et pour Farizon. C'est un ailier Farizon maintenant. Voilà, il réussit à centrer à Rudakov est là. Il n'a pas eu le temps de redresser la course du ballon. C'est dommage. Farizon, car Hervé Révelli, Rocheteau et Saramania étaient là. Kolotov. Onichenko. Qui centre, mais c'est Zavian qui contrôle. Non, c'est Kolotov qui est en avant de Kolotov. Souffrant, rapidement joué par Saint-Etienne, par l'Arquet. Rocheteau. L'Arquet pour Batney. Tinagel. À nouveau Batney. Il y a 8 joueurs du Kiev en défense, faute de Kolotov sur Batney. Situé à peu près à 35 mètres. Début gardé par Rudakov. C'est Batney qui le tire du gauche. Pour qui? Pour Piazza là-bas. Mais c'est finalement Fomienko, le libéro, qui accompagne la course de la balle. Donc dégagement à 6 mètres. Et toujours 0 à 0. 0 à 0 alors qu'il reste maintenant 7 minutes avant la fin de la première mi-temps. Les Stéphanois qui ont attaqué mais qui n'ont pas encore réussi un but, voyez. Même Hervé Révelli gêne Rudakov dans son dégagement. C'est dire si les Stéphanois en veulent, et là c'est une faute de Batney. Et un coup franc très justement accordé par M. Gonella, l'Italien. C'est une faute de Batney sur Bouriac. Et un coup franc tiré par Froschkin. Saramania pour Dominique Batney. Ah, il le faudrait ce but avant la mi-temps. Cela donnerait le moral aux Stéphanois. Attention, interception de Konkov. Attention au contre. Blokin maintenant qui est en position d'ailier droit. Qui a affaire à Batney. Il se passe Batney. Attention Blokin, et oui, heureusement que Lopez est intervenu. Faute sur Blokin, dit l'arbitre. Un coup franc à 30 mètres, on n'a pas très bien vu la faute, Lopez a joué la balle. Un coup franc situé à 30 mètres environ des buts gardés par Kurkovic. Vous avez vu comment Blokin sur ses contre-attaques est très dangereux. Il est presque insaisissable. Donc, il ne faut pas oublier que c'est sur un coup franc similaire que le but a été marqué à Kiev par l'équipe de Kiev contre Saint-Etienne. Alors ceci revêt toute son importance. Et un coup franc d'ailleurs qui avait été repoussé par le mur, repris par Blokin. Vous voyez, c'est Konkov qui le tire, comme à Kiev, le mur repousse. Et c'est Blokin qui a la balle, mais cette fois-ci, pas en position de tir. Enfin, comme à Kiev, comme à Saint-Ferropol, bien entendu. Mais c'est toujours Blokin qui a la balle. Et voilà, finalement, c'est Saint-Etienne, grâce à Saramania. Et maintenant, Piazza qui perd la balle. Froschkin avec l'Arquet, c'est l'Arquet qui réussit à contrôler pour Saramania. Alors qu'il reste maintenant 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Et que Bouriac, très replié, préfère donner à Reschko. Matvienko. Oh là là, qui donne une très mauvaise balle sur sa gauche. Voilà, plus que 5 minutes avant la mi-temps et toujours ce but stéphanois espéré. Oui, l'espace de quelques instants, on a compris que les Russes, peut-être rassurés par le fait de ne pas avoir pris de but malgré la domination stéphanoise, se sont un peu enhardis. Ils ont manifestement attaqué davantage la balle et accéléré le rythme alors que Saint-Etienne repart. Lopez qui a laissé pour l'Arquet, qui retrouve Lopez, qui a voulu trouver Sina Hegel mais qui n'a trouvé que Konkov. Konkov à la balle. Alors que Kolotov est parti sur la droite, non, il préfère repiquer vers le centre. Froschkin. Froschkin pour Kolotov. Kolotov l'avance en position d'ailier. Attention, ce centre. Kurkovic de la main gauche. Et Blokin essaie de lever Kurkovic. La balle est derrière. Bon réflexe de Blokin. C'est l'apanage des grands joueurs. Très calmement. Il a vu Kurkovic avancer, qui venait de dégager. Et il a essayé de le lever. Piazza toujours sur son pied droit, a trouvé l'Arquet. L'Arquet à Sinagel à droite, oui.
Lambion est en appui et Rocheteau sûrement l'aile droite. C'est fait. Prochain récit par Rocheteau, mais bloqué par Matvienko. Et Rocheteau a récupéré, mais l'espace d'un instant. Il obtient un corner. Le quatrième pour Saint-Étienne. Vatney et Lopez sont restés à l'arrière. Non, Lopez lui est monté. L'arbitre n'avait pas sifflé. Il a une explication avec Matvienko. Il est très difficile de savoir pourquoi. On discute entre joueurs russes et M. Gonella. L'arbitre de la rencontre, le corner est donc à retirer, puisque l'arbitre n'avait pas donné le signal. Rudakov, sur les balles aériennes, surtout les balles plongeantes, il est très très fort. Et un duel entre Nichenko et Parizon. L'arbitre va compter le coup franc, ce sont Kotov, Bouriak, qui cette fois-ci était monté en position d'avant. Contré. Kirkovic va pouvoir dégager. Jean-Michel Larquet. Piazza. Qui cherche Rocheteau. Il est en position d'avançante. Ça revient sur Lopez. Saramagna en position d'ailier droit. Piazza qui va donner devant, cherche manifestement Hervé Révelli, ne le trouve pas. Tonkov. Matvienko. Veremeyev. Veremeyev qui est une position très très défensive. Regardez Veremeyev chaque fois au bord de la touche parvient passé. Là en l'occurrence Saramagna qui l'a accroché. Et oui, coup franc contre Saramagna. Veremeyev est un parfait technicien, vous le voyez très souvent, fermer la balle le long de la ligne de touche, mais il parvient à passer son adversaire direct. Konkov, longue transversale pour Trotchkin. Trotchkin, ah, il n'y a pas beaucoup de Russes devant, Trotchkin a une difficulté à trouver, ah, il y a une légère faute de Jean-Michel Larquet qui n'est pas sifflé par l'arbitre, son bloc de la tête, remet devant, Parizon. Et Batner en définitive du pied gauche. Ça repart par Jean Vion. Piazza. Batner. Trouve Jean Vion. Tu vas peut-être chercher Saramagna à droite, oui. Ah, Saramagna contrôle trop long. Et Matvienko était là. Le contrôle de Saramagna était trop long. C'est ce qu'attendait justement Matvienko. Et l'arbitre siffle la mi-temps. Une mi-temps qui intervient sur le score, bien entendu, de 0-0. Mais le suspense demeure encore. Il y a 45 minutes encore de spectacle, bien entendu. Saint-Étienne a fait tout ce qu'il était possible de faire. Il est difficile de trouver une erreur de la part de Stéphanois. Ils ont lutté. Ils ont tiré au but, ils ont mis en difficulté le gardien russe, mais il n'est quand même pas facile de manier cette équipe de Kiev, qui, rappelons-le quand même, a gagné l'an dernier la Coupe des Coupes, et surtout la Super Coupe d'Europe. Oui, il semble en effet que Saramagna ne soit pas rentré sur le terrain, et que Robert Herbin ait pris la décision d'intégrer Patrick Révelli, qui rentre donc à l'aile, à la place de Saramagna qui manifestement était blessé. L'espace d'un instant on a cru que ce n'était rien, mais n'oublions pas qu'il n'a pas joué toute saison, c'est pratiquement sa rentrée et c'est peut-être une sage décision. Caprice là à Robert Rabin pendant que M. Gonella contrôle son chronomètre. Et voilà, c'est parti par Blokhin qui a cherché derrière Konkov. Longue balle à destination de Blokhin. C'était bien calculé entre les deux hommes, mais Patner reprend. Larquet, Jean Vion,
faut de Bloquin sur Jambion, jouer très rapidement. Pendant que le speaker officiel confirmait donc la sortie de Sarah Magna et son remplacement par Patrick Revelli. Jean Piazza. Tire du gauche contré de Patenay. Jambion peut récupérer devant Bloquin, mais contrôle mal de la tête. La touche est pour les Soviétiques. Veremeyev. Pour Bloquin. Tête de Jambion. Jambion qui colle à Bloquin. Bouriac pour Bloquin. Récupération par Jean-Michel Arquet, puis Jambion. Lopez maintenant. Larquet. Vous allez chercher Farizon, position d'ailier gauche. Lopez. Longue transversale. Reprise par Matvenko. Larquet du pied gauche a essayé de relancer pour Hervé Revelli qui n'était pas très loin. Pour l'instant, c'est à peu près le scénario que nous avons vécu. Pendant la première mi-temps, Lopez renvoie inlassablement. Patenay cherche un de ses ailiers. Qui en l'occurrence est l'arrière, ici Farizon, qui essaie d'emporter la balle sur le pied droit et qui a été touché au passage. Patrick Revelli touche une de ses premières balles. Patenay. Larquet. Larquet pour Rocheteau. Rocheteau a tiré. Tir contré, corner. Dominique Rocheteau va tirer ce corner. Et la pousse de l'échelle. Un but. C'est vraiment le souhait général. Rocheteau. Rocheteau du pied droit devant le but. Attention. Voilà. Dégagement de Kolotov. Et Bloquin se battait comme un beau diable. Ça repart pour Saint-Étienne pourtant. Piazza qui avait trois soviétiques sur lui. Sénagel. Revé Patenay mais qui n'a pas pu passer. Cela va être difficile maintenant. Les soviétiques sont bien regroupés. Très calme apparemment. Et savent très bien que le temps joue en leur faveur. Roudakov. Destiné à Bloquin, mais renvoyé cette fois-ci par Farizon. Pankov, loin devant. Kornichenko. Eh oui. Coup de Farizon. L'arbitre a sifflé. Potchkin. Kornichenko. Attention. Kolotov. Kolotov fauché par Piazza. Eh oui, il était en l'air à ce moment-là d'ailleurs. Piazza l'a crocheté. Alors que pratiquement il n'était plus en possession de la balle. Mais l'arbitre était tout près. Les deux actions étaient concomitantes, ou presque. Et cela a valu un coup franc. Dominique Rocheteau descend prêter main forte à sa défense. L'arbitre fait respecter la distance. Bouriac, du pied droit, renvoyé par le mur. En l'occurrence, Piazza. Bloquin et Jambion, inséparables. Qu'ils soient à droite ou à gauche. Tatienko. C'est un arrêt de Kurkovic. Une balle pour Patrick Revelli qui est sorti. Matvienko a fait la touche. Il a encore la balle. Contré par Piazza. Qui n'est pas content du tout. Et qui le fait savoir au juge de touche. Kolotov a fait la touche. Après un appui sur Veremeyev. Kolotov toujours.
lance à droite pour Concorde. Et Jean Vion est intervenu, assez sèchement d'ailleurs. Hervé Révelli, Parison, Assinaguel à gauche, préfère passer par Rocheteau au centre. Rocheteau qui conserve la balle, Rocheteau tire, à côté, à quelques centimètres du poteau. Alors que Roudakoff, une fois de plus, avait été très lent sur cette action. Regardez Parison qui passe par l'intérieur. Rocheteau sur son pied droit conserve la balle, arme son tir. Et oui, à quelques centimètres une fois encore du poteau. Et oui, 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps, en seconde mi-temps, et toujours pas de but. Et pourtant là vous avez vu Rocheteau à tirer des 16 mètres. Alors que c'est Blokhine qui tire de très loin, mais très nettement au-dessus des buts gardés par Kurkovic. Le public siffle. Il a tort, car en football, pour marquer des buts, c'est une vérité de la palisse, il faut tirer au but, même de loin. Et Saint-Étienne repart, les verts, les publics crient les verts, bien sûr, si vous n'avez pas les couleurs, ce sont les ombres. Toujours les Stéphanois à l'attaque. Et voyez comment les Soviétiques s'affolent, là c'est Fomienko, le libéro, alors qu'il n'était pas du tout en danger. Il met un corner, tiré rapidement, il y avait Rocheteau, mais cela va plutôt être, alors que d'abord je suis passé, je ne le vois pas, je pense que c'est Patrick Révelli qui tire ce corner pour la tête de Lopez. Même le libéro est en attaque chez les Stéphanois. Del Piazza est resté en défense. Roudakoff dégage un peu n'importe comment. Bien sûr, c'est un Stéphanois qui va contrôler. Les Jean-Vion pour Lopez, qui est très vite revenu en défense, Lopez. Un mauvais passe de Lopez, intercepté par Blokhine. Il y a Onichenko qui est tout seul à la droite, Blokhine ne l'a pas vu. Konkov pour Troshkin, l'arrière droit qui bien entendu monte moins souvent qu'il ne l'a fait en Union Soviétique. Passe en retrait pour Fomienko et maintenant pour Matvienko. Onichenko, Bouriak, voilà, les Soviétiques ont retrouvé leur jeu. De faire circuler la balle, de la faire tourner. Mais Batney intercepte pour Rocheteau. Va-t-il passer? Non, contré par Konkov. Ah, il était à deux doigts de passer là. Matvienko, belle feinte sur l'arqué. Une faute de l'arqué sur Matvienko. Et c'est un coup franc. Rien à dire pour l'instant, monsieur Gonella, l'italien, a très bien arbitré ce match. Piazza, l'arqué, Sinaigel, Lopez. Et le public ne se décourage pas, continue à encourager des couleurs. C'est le cas de la dire, allez les verts, une faute de Blokhine. L'arbitre a sifflé, oui, la faute de Blokhine sur Lopez. Non, sur Jean Vion. Il faut dire que Jean Vion marque Blokhine. Et de temps en temps, bien entendu, c'est le compteur qui se produit. C'est ça le football moderne. Sinaigel, qui a Rocheteau à sa gauche. Ah oui, la passe est vraiment imprécise. À moins que ce soit Rocheteau qui est un peu tardé à démarrer. Konkov dégage encore une fois n'importe comment. On gagne du temps dans le camp soviétique. Car sur l'ensemble des deux matchs, Kiev mène toujours par 2 à 0. Ne l'oublions pas. L'arqué, Sinaigel. Rocheteau qui s'est fait prendre la balle par Veremeyev. L'arqué, Rocheteau. Troshkin, marqué à son tour par Rocheteau. Et en touche, eh oui. Ah, ce n'est pas très constructif, mais cela permet de dégager son camp et en tout cas de gagner du temps. Et de temps en temps, il y a tout de même des contre-attaques par Blokhine ou Onichenko qui sont dangereuses. Patrick Révelli, le remplaçant de Saramagna. Voyez avec quelle vitesse, quelle vivacité Blokhine saisit cette balle pour la donner à Onichenko. Position de ligne gauche, Onichenko qui centre Kurkovic sur la tête de Blokhine. Ah, Kurkovic, une fois de plus, c'est une très bonne partie. Et il a moins de travail qu'à Saint-Féropol, bien entendu. Mais tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Fomienko, tranquillement, Kolotov maintenant, le capitaine, pour Onichenko.
Onichenko qui est maintenant en position d'ailier gauche alors que Blokhin est à droite. On permute beaucoup dans l'équipe soviétique. Non, pas de faute de Piazza, dit l'arbitre M. Gonella. Et Piazza qui centre pour Patrick Revelli. Très bon, Hervé Revelli, très bon contrôle. Talonnade pour son frère. Mais interception. Larqué, ça repart pour Saint-Étienne. Janvion, Parizon. Parizon qui centre. Ah non, trop derrière le centre, trop pas entré. Parizon se centre alors que maintenant nous jouons depuis 10 minutes exactement et qu'il y a toujours 0 à 0. Et oui, et c'est là que le suspense commence vraiment. Il faut maintenant deux conditions pour que Saint-Étienne se qualifie, à savoir qu'ils ne prennent pas de but d'abord et qu'ils arrivent à en marquer deux pour jouer au moins les prolongations. Janvion, Lopez. On est habitué à avoir passé la ligne du centre. C'était pour Parizon, mais c'est une intervention de Reschko. Patrick Revelli la touche. Il a Parizon devant lui. Rocheteau, contré. Lopez va relancer tout ça. Voilà. Ouvre sur Parizon, en position d'ailier gauche, qui va centrer. Ah, le centre est joli. Rodakov ne pouvait pas s'en emparer, il était trop loin pour lui. Et un tir de Jean-Michel Larquier qui aurait pu être détourné d'ailleurs. Mais repoussé par Reschko. Monsieur Onichenko. Qui avait Piazza sur lui, qui a préféré donner en retrait à Promenko. Vermeyev, quelque peu bousculé par Piazza, l'arbitre a se joué. Jean-Michel Larquier, Piazza. Eh non, Piazza cherchait Reschko, mais un peu trop fort, mais la balle est bien revenue. Centre de Jean-Michel Larquier. Rodakov a pu dégager. Touche sans doute, oui. Blokhin n'a pas pu se saisir la balle. Janvion. Lopez. Une balle à profondeur destinée à Hervé Revelli. Le public réclame une faute qui apparemment n'est pas réelle. Attention, Onichenko. Onichenko qui a battu devant lui. Onichenko qui centre. Le sprint traditionnel. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est reparti par Parizon qui fait décidément une partie extraordinaire. Qui est plus souvent en position d'ailier que d'arrière d'ailleurs. Et qui profite d'un coup franc concédé par Troshkin. Patrick Revelli. Oui. Et il est beau ce coup franc, mais Piazza n'a pas pu sauter assez haut. Et Larquet, attention! Du pied droit, reprise de Larquet, magnifique. Et un bon réflexe de Rudakov à mi-hauteur. Bouriak. Blokhin. Bouriak. C'est lui à nouveau. Et voilà. Il préfère donner derrière. Parce qu'il y avait un joueur russe blessé. Voici l'explication de ce temps mort pratiquement dans le jeu. Les Russes qui ont un joueur blessé voulaient gagner du temps. Pour lui donner le temps de lui récupérer, il faudrait que le joueur n'ait pas à terre. Bien entendu, il est resté debout et l'arbitre n'a pas profité. Une interruption de jeu, il n'y en a pas eu d'ailleurs, pour arrêter le jeu. Là, ça, Janvion, tout à fait inutile, mais peut-être involontaire. Kolotov. Voilà, on va maintenant redescendre la balle tout doucement. Vermeyev. Vermeyev sur Rudakov. Et oui, c'est une façon de faire venir Saint-Étienne à soi. Et peut-être de réussir mieux les combes. Marqué. Vatney pour Piazza dans le rond central. Oui, ça, Piazza a eu la faute pour lui, mais il avait quand même gagné quelques mètres. Ce que l'arbitre va faire rectifier. Parizon. Parizon, Patrick Revelli. Janvion. Vatney. Vatney cherche la tête de Piazza. Ah non, il y a beaucoup de Russes dans la surface, il est vrai. Blokhin.
Balle récupérée par Sina Hegel et l'arqué qui centre immédiatement. Il n'y a personne. Roshkin et Onichenko sur cette balle d'Onichenko. Oui, là on calme, tout doucement. Avant d'accélérer Onichenko, qui est un très très très, très bon ailier, un des meilleurs ailiers européens. Et voilà, tranquillement on redescend, Fomienko, Rudakov très avancé. Matvienko, Bouriak, et on recommence. Ah, c'est là que tout peut se passer. Les Stéphanois sont obligés maintenant d'aller chercher cette balle. Ils vont aussi se dégarnir. Et c'est ce que cherchent les Russes. Tout en préservant leur but. Essayer de trouver une ouverture dans l'équipe adverse. Kaza. L'arqué. Jolie déviation pour Patrick Revelli qui a lui-même réussi sa déviation sur Batnet. Mais contré par Rejko. Janvion. L'arqué pour Janvion. Rocheteau, très marqué Rocheteau. Rocheteau qui a toujours deux trois adversaires sur lui et jeu très dangereux. L'arbitre a eu raison de siffler une faute de Fomienko pour un pied vraiment dangereux. Jean-Michel Larqué. Toute l'équipe de Saint-Étienne à l'exception de Lopez, pratiquement dans la surface. Ah non, Hervé Revelli, arrêtez cette tête, reprend, redonne pour Lopez qui... Pour Sinagel, pardon, qui essaye de tromper tout le monde, mais la balle à l'effet fut soulevée. Et voilà, les minutes passent, l'impatience du public s'accroît. Et il n'y a pas de but pour Saint-Étienne, ce but qui ouvrirait toutes les portes, tous les espoirs. C'était d'ailleurs le titre sur 5 colonnes aujourd'hui dans la presse locale, tous les espoirs sont permis. Et oui, 17ème minute de jeu en seconde mi-temps et toujours 0-0, ce score nul, cette marque égale. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé en ce qui concerne les Stéphanois, qui continuent à monopoliser la balle, mais qui n'arrivent pas vraiment à trouver la faille. Certes, tout à l'heure, il y a eu un tir de l'arqué d'assez loin, mais on ne peut pas dire vraiment que depuis le début, Rudakov ait été vraiment en danger. Évidemment, ce sont toujours les Stéphanois qui ont la balle, là, par l'arqué, par Sinagel. Pour Farizon, toujours en position d'ailier gauche. Qui centre hein, pour la tête d'Hervé Revelli peut-être. Ah, Rocheteau. Ah, le tir n'est pas assez appuyé. Corner, je pense. Car le tir a été détourné par Fomienko. Ah, Rocheteau l'a été bien placé. Vous voyez cette action ralentie. Vous voyez, Rocheteau, ah non, il n'a pas pu reprendre de volée. Il a contrôlé une fois, mais un deuxième joueur est arrivé. Et c'est le corner. Corner donc pour Saint-Étienne, un de plus. Et la balle a sauté Batnet, qui était bien placé. Ah, la contre-attaque, regardez, block-in. Janvion est obligé de l'accrocher, et maintenant de le faucher. Il passe quand même, c'est très dangereux, c'est peut-être le but. Block-in qui est tout seul, devant Kurkovic, il veut dribbler. Ah, quelle erreur de block-in, qui avait Onichenko à sa gauche, et qui au lieu de tirer ou de donner la balle, a voulu dribbler Kurkovic. Eh bien, Stéphane Antichon, il contre-attaque aussitôt. Attention, c'est le but, oui. Eh oui, c'est le but. Je pense. Ah, c'est assez extraordinaire. Alors que Block-in avait le but au bout du pied. Voyez l'action de Block-in qui a Onichenko à sa gauche, qui arrive tout seul. Au lieu de tirer, il veut dribbler. Il sait prendre la balle. Et sur la contre-attaque, grâce à ce ralenti, vous allez voir ce but marqué par Saint-Étienne. C'est du délire dans le stade. Voyez cette action. Tout de suite après un lob. Et c'est Piazza, oui, là-bas, qui arrive de la gauche et qui marque du gauche. Fantastique. Et bien après 20 minutes de jeu, il reste maintenant 25 minutes à jouer. Saint-Étienne mène 1-0 sur l'ensemble des deux matchs, alors qu'Onichenko tire, mais Kurkovic arrête. Sur l'ensemble des deux matchs, et bien Saint-Étienne n'a plus qu'un but de retard, car au match aller, Kiev avait gagné par 2-0. Et là, sous vos yeux, vous venez de voir Kaza qui marque le but alors que Patrick Revelli était tout près. Alors peut-être que Patrick Revelli a touché la balle. En tout cas, on discute dans les tribunes de savoir si c'est Kaza
ou Patrick Revelli qui a marqué. Moi, je pense que c'est Piazza. Mais Patrick Revelli a peut-être détourné la balle. Allez les Verts, le public se déchaîne. Car Saint-Étienne n'a maintenant plus qu'un but de retard. Un but de retard. Mais maintenant, Kiev attaque. Kiev qui a failli réussir le KO. 30 secondes avant que ce but soit marqué par les Stéphanois. Blokhin étant tout seul devant Kurkovic. Donc 1-0 pour Saint-Étienne. Oui, alors qu'on annonce que c'est Patrick Revelli qui a marqué. Il y avait Piazza, il y avait Patrick Revelli. Sur le ralenti, nous avons vu Piazza marquer, mais il est possible que Patrick Revelli ait détourné au dernier moment. Mais c'était très net, c'était Piazza qui était à l'aile gauche, qui a tiré en tout cas. Peut-être que Patrick a détourné la balle. En tout cas, on discute ferme dans les dans la tribune de presse pour savoir qui a marqué. Nous avons vu Piazza. Nous le serons dans les vestiaires, bien entendu. Alors que les Soviétiques attaquent là par Veremeyev. C'est un corner concédé par Lopez. Alors voilà, Pierre Cagioni, maintenant le match est vraiment parti. Plus qu'un but de retard pour Saint-Étienne, alors qu'il reste 25 minutes. Parti de quelle façon, avec deux actions absolument admirables, au moment où tout pouvait basculer. Blokhin pouvant très bien marquer. Nous avons eu dans la contre-attaque immédiate le but pour Saint-Étienne. C'est absolument magnifique. Attention au corner où Blokhin est tout prêt là. Kurkovic a renvoyé, Bouriak essaye d'ouvrir Blokhin. Et on va chercher Matvienko qui était monté de son poste d'arrière pour prêter main forte. Patrick Revelli repart, il a sa gauche Parison, c'est fait. Patenay, Parison, Rocheteau. Et dans la balle n'est pas assez poussée. Les Soviétiques ont récupéré par l'intermédiaire Konkov. Attention, Jean-Vion, l'arqué. Larké aux prises avec Kolotov. Larké encore. Qui essaie de chercher. Et il a failli avoir vu sur un tri de Patrick Revelli. Une déviation. Regardez bien. La déviation de Pomienko. Eh oui, il a failli tromper son propre gardien. Pratiquement à un mètre au-dessus de la barre. Sorti Rudakov. Tout est possible. Veremeyev, Kolotov, Reschko. Et les Soviétiques partent à l'attaque sur l'aile droite par Reschko. Attention. Récupéré Senegal. Larké. Piazza à sa droite. Et voilà, il est lancé. Ah, un peu trop longue la balle. Non, elle a freiné. Il a le temps de centrer. Et Kolotov lui-même est venu sauver devant le but, alors que Rocheteau arrivait lancé sur cette action. Et le public maintenant est déchaîné. Il est même très dur d'entendre sa propre voix. Patenay. Dégagement encore Kolotov, qui décidément joue maintenant les libéraux. Lopez essaye de remettre dans le jeu. Mauvais dégagement de Trotskin, qui s'énerve lui aussi. Patenay. Attention à ah, la tête de Rocheteau, vraiment pas loin. Parison, touché sûrement la tête, oui c'est ça, les deux hommes se sont percutés. Anichenko. Attention Anichenko, pied gauche. Oui. Ça se sentait. Mais à droite début de Kurkovic. Sinagel. Patenay. Patrick Revelli. Essaie de passer tout seul. Et a poussé la balle un peu trop loin. Alors qu'il avait Parison à gauche. Sinaegel. Qui a poché Onichenko. L'arbitre a laissé jouer. Larké maintenant. Larké. Devant pour Hervé Revelli.
Hervé Révelli, coup franc. Coup franc. Concédé par Esco. Qui a serré le trop près et bousculé dans le dos. Hervé Révelli. À la limite de la surface. Vraiment à un mètre de la surface. Alors qu'on appelle le soigneur. Resco. Resco qui a été touché tout à l'heure d'ailleurs dans un choc avec Parizon. À la face. Voilà, c'est ça. Alors, c'est seulement une conséquence du choc aérien qu'ont eu les deux hommes. Monsieur Gonella a fait reculer le mur soviétique. C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. Et but ! Deuxième but de Saint-Étienne ! C'est absolument extraordinaire sur ce coup franc de Jean-Michel Larquet ! C'est le miracle pratiquement qui s'accomplit à Saint-Étienne, en tout cas pour l'instant. Vous l'avez vu, un tir extraordinaire qui a percé le mur soviétique. Et Rudakov n'a rien pu sur cette affaire. Il y avait eu deux miracles à Saint-Étienne. Et il y en a maintenant, en tout cas momentanément, un troisième. Regardez l'action. Un tir extraordinaire alors que les soviétiques ont voulu s'écarter. Et Rudakov, malgré un très beau plongeon, n'a pu rien contre ce boulet de canon. Un changement dans l'équipe soviétique. Damine rentre à la place de Resco. Damine numéro 16 remplace Resco. C'est absolument extraordinaire l'ambiance qui peut régner. 20 000 porte-voix, les drapeaux agités. Toute une région en délire. Et pourquoi pas la France entière devant ses récepteurs. Ce que l'on n'osait plus espérer, ce qui paraissait impossible, est en train peut-être de se réaliser. Et je dis peut-être bien entendu. On dérange toujours nos enthousiasmes. Le football est ce qu'il est. Et encore une action stéphanoise où Patrick Révelli avait prolongé pour son frère Hervé. Mais les deux défenseurs soviétiques étaient là. De Réveillev. Matvienko, Larquet intervenu. Il y a une détermination chez chaque joueur de Saint-Étienne qui est absolument admirable. Attention, Matvienko, Vermeyev, ah joli, joli Vermeyev, le lob magnifique sur une balle brossée, Jovion, carrément en touche, et fauché en l'air par Blokhin. Manifestement les deux hommes se serrent de près, et il y aura peut-être un petit contention entre les deux, que ça ne m'étonnerait pas. Attention, non, vraiment, absolument aucune chance le tir de Matvienko. Ah, il n'y a pas de mots pour traduire et l'ambiance et le phénomène en lui-même. Ça sera de toute façon un grand moment de l'histoire de Saint-Étienne. Parizon, Jonathan a récupéré, très normalement d'ailleurs, par un tac. Attention à Blokhin. Ah, il en faut deux sur lui. Ah, Jean-Vion est passé cette fois-ci. Jean-Vion est à terre. Vatnet est devant. Et il y a une légère faute sur Jean-Michel Larquet. Il y avait une obstruction, mais l'arbitre a joué. Hervé Révelli, transversal pour son frère. Trotskine le premier sur la balle, ça repart. Hervé Révelli, attention. Nous sommes à la limite de la surface, ça a essayé de redonner pour Hervé, du pied gauche, c'était bien joué. Mais il ne faut pas se dégarnir derrière pour autant. C'est maintenant au contraire qu'il faut stabiliser. Et qu'il ne faut pas laisser les Russes tout seuls devant. Ah, pratiquement aujourd'hui, tous les journalistes sportifs ont donné les scores dans une sorte de jeu qui s'organise régulièrement. Mais nous étions vraiment très très peu à espérer ce score de 2 à 0. À un moment donné du match, quel qu'il soit, Onichenko.
Retschko. Trotskin en position d'ailier. Allez, Russe maintenant monte. Lopez en tête plongeante. Hervé Revelli repart. Non. Mais retrouve Konkov. Ah, la pression russe peut se faire sentir maintenant. Rosco tout seul pour l'instant. Ce russe devant lui, obstruction, on l'a joué, Jean-Michel Larquet toujours, a récupéré. Sinagel. Ah, c'est un peu long, oui. C'est reparti par Kolotov. Kolotov qui va chercher Trotskin à droite. Voilà, Trotskin, attention. Konkov a relancé pour Trotskin en position d'ailier droit. Et une balle haute qui peut être dangereuse. Et Kurkovic a enlevé cette balle devant, sur la tête de Kolotov plus exactement. Calmement, passé pour son gardien. Eh bien, il reste 12 minutes avant la fin de cette rencontre. Et sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont à égalité car Saint-Étienne mène par 2-0. But marqué par Piazza et par Larquet sur coup franc. Si bien sûr à la fin du temps réglementaire, c'est-à-dire dans 13 minutes environ, un tir là de Larquet au-dessus. Saint-Étienne mène par 2-0 comme Kiev a gagné au Bachelet par 2-0. Bien entendu, il y aura une prolongation. Et là, je le dis surtout pour bien entendu le directeur de notre chaîne TF1, en cas de match nul donc sur l'ensemble des deux matchs, il y a une mi-temps d'un quart d'heure et puis ensuite une prolongation d'une demi-heure. Dorénal, il semble que Jean-Michel Larquet boite, ceci peut être très important. Jean-Michel Larquet est touché et Santini se chauffe sur le bord du terrain. La sortie de Jean-Michel Larquet peut être très importante dans le cours du match, dans ces 14 minutes qui restent à jouer. Et oui, et surtout c'est le dernier remplacement dont peut disposer Robert Arbin, puisque déjà à la mi-temps, il a remplacé Saramagna par Patrick Revelli. Il a eu une idée heureuse, car Patrick Revelli joue très bien, il court vite, et évidemment, c'est un homme frais. Alors qu'attention, les soviétiques là sont dangereux, par Olichenko, et c'est Farizon qui doit concéder un corner. Voilà, et bien entendu, comme Saint-Étienne a fait le forcing, c'est bien normal que maintenant, ce soit au tour de Kiev, qui n'a plus la qualification. Kiev qui a été rejoint sur l'ensemble des deux matchs par Saint-Étienne 2-2. Kiev qui maintenant doit chercher à marquer un but pour se qualifier. Alors que Jean-Michel Larquet semble avoir récupéré. En tout cas, Santini est prêt à le remplacer. Voilà, dégagement de la tête précisément de Larquet. Piazza qui arrive alors qu'il y a eu une faute. Piazza, comme un bolide qui dévale tout le terrain. Il a Rosto à sa gauche. Un peu plus loin, Patrick Revelli. Voilà, pour Patrick Revelli, qui reprend. Oh là là, de peu à côté. À la montée de Piazza était fantastique. Le centre sur Patrick Revelli. Vous voyez cette action. Il y avait Rosto, là, le numéro 7. Centre, la reprise, à côté. Alors que l'arbitre avait sifflé un coup franc depuis très longtemps. Un peu comme ça se produit en rugby. Mais en rugby, à la différence du football, on laisse la loi de l'avantage, puis on remet la balle à l'endroit où la faute a été commise. Voyez, toute cette action de Piazza et de Patrick Revelli ne comptait pas, mais le public crie tellement « Allez les Verts » que, bien entendu, on n'entend pas les coups de sifflet de l'arbitre. Et c'est toujours Saint-Étienne qui est à l'attaque par Rosto, qui réussit à centrer un corner concédé par Fomienko. 11 minutes de jeu, Saint-Étienne mène 2-0, les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs, et peut-être que sur ce corner, Saint-Étienne va se qualifier pour les demi-finales. Ce serait fantastique, car vous le savez, Kiev est sans doute une des meilleures équipes européennes. Voilà le corner qui a été tiré, à côté la tête, dégagement de Trotskin, Blokhin très replié, attention. Onichenko, tous les Stéphanois sont à l'attaque, il y a quand même Piazza là qui est en défense contre Onichenko. Contré par Piazza. Et oui, attention au contre, car maintenant ce serait vraiment idiot de prendre un but. Car si les Stéphanois concédaient un but, eh bien il faudrait qu'ils en marquent deux, mais oui, deux pour se qualifier.
car bien entendu le but marqué par Kef ici compterait double, enfin compterait davantage que les autres, alors que Larquet, qui est un des héros du match, il a réussi le deuxième but, va sortir et être remplacé par Santini. Et c'est Hervé Révelli qui est capitaine maintenant, qui prend le bandeau de capitaine. Hervé Révelli, numéro 9, est donc capitaine. Vous voyez, il y a un échange de bandeau. Jean-Michel Larquet sort, remplacé par le numéro 12, Santini. Santini remplace Larquet qui est blessé. Et c'est dommage car Jean-Michel Larquet a fait un très grand match. Il a réussi un but splendide. Et les Soviétiques bénéficient d'un corner. En tout cas, plus de changements possibles pour Saint-Étienne, qui a utilisé les deux changements qui étaient à sa disposition. Attention! Non, c'est Santini qui touche la première balle et qui n'est pas encore échauffé, qui la donne involontairement, bien entendu, à Troshkin. Et toujours les Stéphanois, non. Veremeyev en position d'ailier gauche, contré par Sinagel. La balle en retrait pour l'arrière-gauche Matvienko. Maintenant, les Soviétiques attaquent. Attention, alors que le numéro 16, qui est Amine, un remplaçant lui aussi soviétique, n'a pu se saisir de la balle. Maintenant le match devient un peu heurté, un peu décousu. Les deux équipes vont réussir le chaos, marquer ce troisième but qui les qualifierait l'une comme l'autre avant la fin du temps réglementaire, car il reste maintenant 10 minutes à jouer. Je vous rappelle que si au bout de 10 minutes rien n'est marqué, il y aura un quart d'heure de repos et ensuite une demi-heure de prolongation. Et c'est toujours Saint-Étienne qui attaque par Bastenet. Blokhin, marqué toujours, suivi par Jean Vion. Ah, il aura couru après Blokhin, Jean Vion, toute la soirée. Blokhin, et voilà, Blokhin derrière. Et Jean Vion le regarde, d'un air de dire, j'ai réussi à t'empêcher de centrer. Il y a une sorte de démission d'ailleurs dans l'attitude de Blokhin, qui le montre d'ailleurs depuis quelques instants. Il n'arrive pas à décramponner Jean Vion, qui est un très très bon sprinter. Blokhin peut réaliser, il a fait déjà 18 au 100 mètres, mais Jean Vion n'est vraiment pas très loin et il est toujours sur lui. Tiaza, à la droite Lopez, Santini est parti, Rocheteau, Sinagel qui a remis de la tête, Santini, Lopez va chercher un... c'était une transversale, il avait de fortes chances qu'elle ne puisse passer. Attention, Bastenet, spécialiste de ce genre d'opération. Santini trouve Rocheteau, premier contrôle, dommage. Sinagel, mais avec un adversaire devant lui, contré. Ça peut repartir, attention Jean Vion. Parison, très 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 beau jeu des Stéphanois sur cette action. On ne perd pas la balle, on tente sa chance. Santini remet dans le paquet. Une balle que convoite Hervé Révelli. Veremiev aux prises avec Santini. Une faute de Santini. Ah, il y aura une explication entre les deux hommes, c'est presque certain. Alors que l'arbitre décide de jouer. Tiaza, Rocheteau. N'a pas d'appui à droite. C'est obligé de repasser par le centre. Et essaye de tirer. C'était pas mal fait. Hervé Révelli la tête. Oui, il sera difficile de tromper Rudakov sur ce genre de balle. Trotchkin. Ah, les Russes montent davantage. Ils ont maintenant quand même 4 hommes qui ont passé la ligne médiane, ce qui n'a pas été toujours le cas. Vanichenko préfère donner pour Trotchkin. Trotchkin. Parison. On repart calmement à Saint-Étienne. Santini. Santini qui n'est pas tout à fait encore dans le rythme. Il faut dire que il faut pouvoir rentrer en cours de match dans une ambiance pareille. Patrick Révelli sur son pied droit, Rocheteau qui remet pour Patrick Révelli, Hervé Révelli du pied droit. Difficile de passer par le centre, il y a toujours 3-4 adversaires. Onichenko part tout seul sur la droite, très rapide. Onichenko du pied droit sur le pied gauche, non du pied droit à l'extérieur des buts. Et Saint-Étienne très bon. Il reste 5 minutes de jeu. 5 minutes de jeu.
corner qui va être tiré par Vermeyev. Et si Saint-Étienne résiste, si aucun des clubs ne marque, nous aurons, et qui s'en plaindrait, une demi-heure de football en plus, avec l'intérêt qui est évident. Vermeyev, Santini a dégagé, Vermeyev récupère. Ah, il y a du monde là, il y a du monde, attention, ça peut être dangereux. Non, la balle est à l'extérieur et Blokhin n'a pu la récupérer. Kurkovic, Janvion, Piazza, Vatnet, on cherche Hervé Révéli de la tête, vous voyez les remises d'Hervé Révéli de la tête en arrière, sur des balles qui trompent souvent la défense. Une faute de Patrick Révéli sifflée par M. Golella, à juste raison d'ailleurs. Fomienko. Et on repart pour les Russes. Attention, il y a un démarrage là-bas de Kolotov. Ouh, c'était mauvais. Si Kolotov, si Lopez avait raté son interception, Kolotov allait tout seul vers le but. Piazza. Patrick Révéli. Redonne sur Piazza. Re-Patrick Révéli. Et Piazza de la tête encore. Non, Piazza se laisse tomber. Manifestement, les deux hommes disputaient la balle. Le pénalty aurait été très dur. Et Kolotov est reparti sur la droite. Vous voyez, nous allons d'un but sur l'autre. Varizon en corner. À ces minutes sont longues. Elles sont palpitantes. Il en reste pratiquement 3. Peut-être 4 si l'arbitre a compté quelques petits arrêts de jeu. Et attention, le corner. Blokhin a battu Janvion cette fois-ci, mais en hauteur. Sans grands effets. Kurkovic, tranquillement. Santini, l'homme neuf. Qui est rentré à la place de l'arqué. Sinagel pour Rochetot. Cette fois-ci tout sur la droite, mais qui a raté son contrôle. C'est dommage. C'est pratiquement une seule fois où Rochetot s'est retrouvé tout seul. Et il avait du champ devant lui. Matvienko pour Fomienko, pour son propre gardien. On repart de l'autre côté. Et depuis quelque temps, on cherche davantage Onichenko que Blokhin. Il semble que les Russes aient compris peut-être que Blokhin n'était pas dans un très grand jour. Et qu'en tout cas, Janvion lui posait de gros problèmes. Et on joue maintenant pratiquement sur l'aile droite, sur Onichenko. Vermeyev, très bon technicien Vermeyev, malgré la présence des adversaires. On repart par Fomienko, qui ouvre sur Matvienko, qui se fait subtiliser la balle, c'est reparti, Rochetot. Vatnet qui a tenté une 1-2 avec Rochetot, Kolotov était là. Konkov a dégagé par l'intermédiaire de Troshkin. Kolotov, Vatnet devant lui, Blokhin à sa gauche, mais surveillé. Janvion tranquillement, pour Lopez. Ah, la partie de Janvion ce soir, c'est extraordinaire. Onichenko, Blokhin. Blokhin, Vermeyev. Vermeyev pour Konkov. Kolotov maintenant. On va chercher Onichenko. Non. Eh non, contré par Farizon. Qui repart lui-même derrière avec la balle. Lopez. Oui, côté ouvert. Santini. Santini, Patrick Révéli qui laisse encore pour Lopez. La balle est peut-être un peu longue. Eh oui. Rochetot était mieux placé. Il était légèrement en retrait, de la personne sur lui et c'est la fin du match. Monsieur Gonella siffle la fin du match sur ce score. Que personne, mais personne n'osait vraiment espérer. Ce score que Herbin et les Stéphanois ont dû entrevoir dans leurs rêves les plus fous.
2-0, une prolongation possible et une chance encore, une chance pour Saint-Étienne de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Rien n'est joué bien entendu, les joueurs ne vont pas sortir du terrain, ils ne retournent pas au vestiaire. Ils vont se restaurer quelque peu. Rocheteau, Skurkovic a l'air d'encourager Rocheteau de donner ses derniers enseignements. Les autres trottinent pour maintenir souvent le tenus. Les rues sont très entourées par les caméramans et reporters photographes. Et M. Gonella, dans quelques instants, va donner le coup d'envoi de cette prolongation. Cette prolongation que personne n'espérait et qui est arrivée. Rappelez-vous, Split, Saint-Étienne menait 4-1. On ne lui donnait plus aucune chance. Et vainqueur après prolongation 5-1. Et le grand Bayern de Munich. Vainqueur 2-0 match aller, tout comme Kiev. Et qui avait été battu 3-0. Et c'est peut-être ce miracle qui nous empêchait de croire au troisième. On se disait malgré tout, les miracles ont ceci de particulier qu'ils se produisent très rarement. Demi-temps d'un quart d'heure, mais il n'y a pas d'arrêt entre les demi-temps, on change simplement de camp, alors que le public se déchaîne encore, le public se déchaîne et que le Stéphanois... Non, je croyais qu'il n'était pas au coup. Ah oui, il y a un feu de Bengale. L'arbitre veut s'arrêter avant de donner le coup d'envoi de la prolongation. Il n'a pas l'air très dangereux d'ailleurs, qui est situé simplement dans les grillages, on en a vu d'autres sur les terrains européens, voilà, vous le découvrez. Certains qu'en couleur, c'est une certaine allure. Ça ne paraît pas présenter un danger immédiat pour les joueurs, mais enfin, on l'a éteint. Voilà, je pense que la prolongation va pouvoir commencer. Donc, je vous rappelle que, alors qu'à Saint-Péropol, Saint-Étienne avait perdu 2-0, Saint-Étienne, après 90 minutes de jeu, mène par 2-0 ici à Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard sur l'ensemble des deux matchs. Les deux équipes sont à égalité, deux buts partout. On va donc jouer la prolongation alors qu'on allume un nouveau feu de Bengale. Ah là, ça va mal car l'arbitre, monsieur Gonella l'Italien, va peut-être se fâcher. De très bonne politique. C'est difficile de l'éteindre. Et bien on l'emporte, un peu comme la flamme olympique, un volontaire, alors qu'on avait déjà prévu les grands moyens, à savoir les secteurs de service. Voilà, il y a beaucoup de fumée sur le stade et la prolongation a commencé. Alors qui va tenir? Est-ce les Stéphanois poussés par leur public, mais sans doute plus fatigués que les Soviétiques car ils ont fait tout le jeu. Ou au contraire, l'équipe de Kiev, qui bien entendu maintenant marque un but pour se qualifier. Et n'oublions pas que si Kiev marquait un but, il faudrait que les Stéphanois marquent deux pour se qualifier. Car le but marqué par Kiev ici à Saint-Étienne serait plus important, étant donné que Saint-Étienne n'a pas marqué de but à Saint-Féropol. Voilà donc la prolongation, et alors en cas de match nul après la prolongation, enfin disons que si Saint-Étienne mène toujours par 2-0, si les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs, eh bien on tirerait 5 pénaltys de chaque côté. La qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe se joue sur une prolongation ici à Saint-Étienne. Évidemment c'est quand même un avantage pour l'équipe française, l'équipe championne de France, qui jouant le match retour chez elle, dispute une demi-heure de supplémentaire sur son terrain. Mais attention, vous l'avez vu à plusieurs reprises, surtout en fin de seconde mi-temps, eh bien les Soviétiques ont été dangereux. Ah, il vaudrait mieux qu'un but soit marqué d'un côté ou de l'autre, bien entendu, nous préférions que ce soit les Stéphanois qui le réussissent, car les séances de pénalty seraient sans doute dramatiques. Gazza, qui cherche Rocheteau. Ah là là, le pied en avant de Matvienko. L'arbitre n'a pas sifflé, non. La balle est au Stéphanois par Gazza. Pour Rocheteau. C'est inquiétant, Jean-Rénal, parce que Rocheteau boite pas depuis un certain moment. On l'a vu d'ailleurs sur cette action, il était très gêné par... En forme un contre anodin, et ça c'est peut-être très important. Les Stéphanois n'ont plus de remplaçants. Les deux hommes sont rentrés. Et maintenant, Rocheteau boite et Piazza se tient la cuisse gauche, ce qui est vraiment très inquiétant. Et oui, cette rencontre peut se jouer sur des blessures, en tout cas sur la condition physique. Alors là, c'est
C'est Trojkin qui a réussi à contrer, qui a dégagé, mais la balle a été déviée au dernier moment par Hervé Revelli. Donc c'est une remise en jeu au 6 mètres. Et oui, les Stéphanois ne peuvent plus disposer de remplaçants, puisque, vous le savez, Larquet a été remplacé par Santini, et qu'à la mi-temps, Saramagna a été remplacé par Patrick Revelli. Et les Stéphanois qui ont fait beaucoup plus d'efforts. Piazza, lui, est infatigable. Il est toujours à l'attaque. En défense, il est partout. Mais là, il s'est fait contrer. On cherche le bloc-in. On le trouve. Kolotov, le capitaine, face à Lopez. Il réussit à centrer. C'est dangereux. Oh là là, Olichenko avait presque la balle au bout du pied. Alors que les Stéphanois croyaient au hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. En tout cas, le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Lopez. À Piazza, maintenant, semble le toucher. Attention, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de blessés dans cette équipe stéphanoise. Rocheteau, déjà, traîne un peu la jambe. Et Piazza, lui, je pense, a pris un coup sur la cuisse, mais il semble avoir récupéré très vite. Alors que c'est Blokin, là, qui attaque. Attention! Non, c'était Onichenko, voilà Blokin maintenant. Et c'est un corner. Ah, le Dynamo de Kiev s'est bien repris maintenant au cours de cette prolongation. Ce sont les nerfs qui vont jouer. Vous savez que cette équipe de Kiev est une très grande équipe. Elle a battu deux fois l'an dernier le Bayern de Munich. Elle est menée 2-0. Elle est à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est un corner pour Kiev. Ouais, dégagement et nouveau corner de Santini. Nouveau corner qui va à nouveau être tiré par Veremeyev. En principe, c'est l'homme qui tire le corner dans l'équipe de Dynamo de Kiev. Oui, c'est lui. Nouveau corner donc pour Kiev. Et on peut dire que si Kiev marquait un but, Kiev serait pratiquement qualifié pour les demi-finales. Car il faudrait que les Stéphanois réussissent 2. Attention, Kurkovic a failli être lobé. Encore un corner. Non, l'arbitre en décide autrement. Moi, j'avais vu Kurkovic toucher la balle. Peut-être l'a-t-il raté, en tout cas. Saint-Étienne va se dégager, toujours par Piazza, pour Patrick Revelli. Sinaigel, Patrick Revelli. Patrick Revelli, lui, qui n'a joué qu'une mi-temps, lui, il est frais. Et il court, il court. Il déborde tout le monde, il centre. Accru d'accord, va contrôler cette balle. Olichenko. Rochkin, l'arrière en position d'ailier, qui a contrôlé de la main, pense une partie du public. L'arbitre, lui, ne siffle pas. Je pense qu'il a raison. Oh, le tir terrible, mais à côté. Et oui, Kolotov va rentrer pour Blokin. À côté, donc, après 5 minutes de jeu pendant la prolongation. Toujours 2-0 pour Saint-Étienne et toujours égalité sur l'ensemble des deux matchs. Oui, et il semble malgré tout que l'équipe de Kiev commence maintenant à occuper le terrain plus rationnellement et à se créer des occasions supérieures. Il ne faut pas oublier que Piazza boit ses bas pendant un bon moment et Rocheteau, lui, continue à être gêné par sa jambe gauche. Ceci est inquiétant, bien entendu. L'absence de Jean-Michel Larquet au sixième du terrain se fait sentir. Vatner en position d'ailier gauche. Devant Grotchkin, il parvient à centrer. Et il faut une sortie de Matyarko de la tête. Trotskin encore. Onichenko sur la droite. Parizon qui ne le quitte pas. Voilà, Trotskin en soutien. On préfère trouver Blokin en position d'avançant. Jean Vion est là. On retourne sur Trotskin. C'est tellement l'homme à faire descendre. Et arrêt facile de Ivan Kurkovic. Ça repart par Batney. Batney qui a bousculé Kolotov qui était venu l'attaquer. C'était lui qui était en position du ballon, Batney. Lopez. Ah, Santini était tout seul à droite. C'était peut-être de ce côté qu'il fallait jouer. Attention à Blokin. Ils sont malgré tout trois. Et Lopez, impeccable. Un blocage sur Blokin, si j'ose dire.
Parizon, Rocheteau. Oui, Rocheteau qui est manifestement gêné. Santini a récupéré. Janvion. Santini. Non, intervention de Trochkin. Lopez. Lopez est bon sur la droite. Se rabat. Ah, on sent la fatigue. On sent vraiment la fatigue, mais il parvient quand même à tacler Santini. Et Lopez était reparti encore de la tête, pratiquement en vol plané pour récupérer cette balle. Deremiev pour Konkov. Konkov pour Machenko. Konkov encore. Préfère donner à Fomienko. Trotskin. Konkov sur la ligne médiane. Attention à Trotskin. Trotskin toujours. Très offensif cet arrière. Très bon. Débordant. Eh oui. Eh oui. Sinagel. Sinagel a commis le coup franc. Un coup franc très rapidement joué qui parvient à Vermeyev. Vermeyev passe Santini devant lui. Matienko est venu et très bel arrêt en deux temps. À ras de terre. Très difficile la balle. Bloquée par, repoussée d'ailleurs par Kurkovic et Lopez lui a redonné. Pour lui permettre de s'en saisir définitivement. Lopez, Batney, deux des poumons de cette équipe. Piazza. Piazza très finement pour Janvion. Janvion qui est rarement monté. Ce n'est pas son rôle aujourd'hui. Il faut à tout prix qu'il surveille. Block-in. Et l'arbitre a sifflé coup franc contre Dominique Rocheteau. Ah oui, un Dominique Rocheteau qui a de plus en plus du mal à marcher, qui marche sur le talon gauche. Transversal de Konkov pour Trotskin. Ah, ils vont être durs à tenir ces Russes maintenant. Trotskin, alors Konichenko est parti à toute vitesse sur l'aile droite. Non, mais il préfère donner au centre. Attention, Nichenko avait lâché la balle. Il l'avait laissé pratiquement pour Block-in qui arrivait très vite. Konkov, contré. Trotskin, maintenant, c'est la domination soviétique. Il faut dégager quoi qu'il arrive, ce qu'a fait Sinagel. Tenir à tout prix, mais tenir pour aboutir à la série des pénaltys. L'arbitre siffle ou pas? Eh oui, l'arbitre a sifflé. Coup franc à la limite de la surface, à l'angle droit de la surface de réparation. On n'entend pratiquement plus les sifflets de l'arbitre qui se confondent avec ceux du public. Et comme M. Gonella laisse très souvent jouer, attention, Onichenko, l'arbitre avait sifflé et Kurkovic avait pratiquement bloqué d'une semi-manchette qui avait rebondi contre le poteau et il n'avait pas laissé pénétrer la balle bien que l'arbitre avait déjà sifflé. Lopez, battu par Kolotov, Janvion a essayé de récupérer. Touche stéphanoise, mais l'arbitre n'est pas d'accord. Le juge de touche a décidé qu'elle était soviétique. Konkov. Vermeyev pour Kolotov. Kolotov contré par Patrick Revelli, mais c'était reparti par Vermeyev. Matienko, attention en position d'ailier. Parvient à tromper Lopez qui est obligé de l'accrocher. Matienko avait accroché Lopez et M. Gonella ne s'est pas laissé abuser. Kurkovic. Patney. En profondeur pour Rocheteau qui dévie sur Sinagel qui lui a redonné. Rocheteau encore en position de la balle. C'était pour Santini. Mais Patrick Revelli est venu à la rescousse. Patrick Revelli, ah non, qui aurait dû donner en arrière. Il y avait deux appuis derrière.
Anilchenko tout seul là-bas sur l'aile droite pour l'instant. Les Stéphanois sont bien revenus. Damine, oh là 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 là, l'arbitre laisse jouer. Et c'était à la limite de la surface, c'est pratiquement dans la surface. En d'autres circonstances, il aurait pu valoir un pénalty. Et là, alors, il y a une faute très nette de Trotsky. Très très nette. Sur Sinaigel, qui bénéficie du coup franc. Rocheteau. Piazza. Pour Hermé Réveli qui aurait dû lui remettre, enfin, il espérait du moins. Sinaigel. Voilà, on change de côté. Janvion. Attention, Janvion face à Blokhin. Si Blokhin s'empare de la balle, c'en est fini. Parison, mais trop tard. Deux minutes avant la mi-temps de cette prolongation, car on joue la prolongation. Demi-temps d'un quart d'heure, alors que Saint-Étienne mène toujours par 2 à 0 et que sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont à égalité. Mais on peut dire déjà, sur le vu de cette première mi-temps de la prolongation, que les Soviétiques paraissent plus frais. Les Stéphanois, là, sont un peu fatigués, c'est bien normal. Ils ont fait le forcing depuis le début de la rencontre. Et l'Arqué, leur organisateur, étant sorti pour blessure, remplacé par Santini. Bien entendu, les Stéphanois jouent moins bien. Et c'est normal, mais tout de même, ils ont la volonté de l'emporter. Ils ont la balle pour l'instant. Eh oui, un tir d'assez loin, là, de Farison. Et Vermeia qui va avoir la balle alors qu'il reste une minute avant la fin de cette première mi-temps de la prolongation. Patrick Réveli. Faute sur Vermeia. Matvienko, Konkov, Matvienko. Prenez la balle pour Trotchkine. Trotchkine a évidemment maintenant les percées de Onichenko, de Blokhin peuvent être dangereuses. Rocheteau qui semble avoir récupéré, il ne boite plus. Patrick Réveli, le plus frais, il n'a joué qu'une mi-temps. Ah, l'arbitre a sifflé. Voilà, la mi-temps, mais il y a simplement un changement de camp, car on ne se repose pas lorsqu'il y a une prolongation. Il va donc y avoir un changement de camp. Plus qu'un quart d'heure. Et Saint-Étienne mène toujours par 2 à 0. Égalité sur l'ensemble des deux matchs. Et bien entendu, si au bout d'un quart d'heure, aucun but n'est marqué, il y aura la fameuse séance de tir de pénalty. C'est symptomatique d'ailleurs de l'ambiance qui règne sur ce stade. Tous les reporters photographes qui sont français, bien entendu, s'étaient mis derrière les buts de Kiev. C'est signe de leur confiance. Ils changent maintenant de camp et continuent derrière les buts de Kiev. C'est-à-dire qu'ils espèrent le but de Saint-Étienne. Et les reporters photographes, bien sûr, veulent obtenir le scoop, c'est-à-dire le but de la victoire. Alors, est-ce que c'est de bon augure? Ils sont tous, en tout cas, d'accord. Il n'y a pratiquement plus personne maintenant derrière le but de Kurkovic. Et la dramatique continue. C'est une des plus belles que l'on puisse inventer, que l'on puisse mettre sur pied. Ce scénario qui n'est imprévisible. Monsieur Gonella va siffler. Et les deux équipes ont maintenant 15 minutes pour se départager. Ou alors nous vivrons cette série terrible de tirs de pénalty où tout se jouera sur quelques minutes et sur 10 tirs. Onichenko. Zeremiev Kolotov. Et récupération par Santini. Piazza. Pour Patrick Réveli, légèrement bousculé. Et qui a essayé de garder quand même cette balle. Patrick Réveli est terrible. Dans ces cas-là, et avec les deux pieds, il prend son équilibre avec les deux bras, il s'appuie s'il faut, mais il passe. Sinaigel, Santini. Santini à nouveau. Santini contré par Kolotov. Lopez. Hervé Réveli à la lutte à Fomenko, mais à le dessous. Battenet récupère. Jolie la fête de Battenet du pied droit. Passe encore, Battenet. Ah, oh, très beau tir de Battenet. C'est l'homme des fins de match, Battenet. C'est une force de la nature. 1m83, un magnifique athlète.
Et regardez, il tente très souvent sa chance comme ça de loin du pied gauche. Et le tir n'était pas très loin et Rudakov pas très bien placé en l'occurrence. Trotchkine à la lutte avec Patrick Gravelli. Alors là, dans ces quelques secondes, on retrouve la physionomie de l'ensemble du match. Les Stéphanois carrément à l'attaque. Rocheteau. Ah, mais Rocheteau a du mal. A du mal à pivoter sur sa jambe. Piazza avait récupéré. Mais Blokhin était venu donner un coup de main à sa défense. Veremiev. Trotchkine. L'arrière droit offensif de Kiev. Attention pour Blokhin. Ils sont deux. Est-ce que ça va suffire? Oui, avec une légère obstruction d'ailleurs de Lopez. Et l'arbitre accorde un corner. Tiré par Blokhin lui-même. Oleg Blokhin, 23 ans, meilleur joueur européen. Désigné en tout cas comme tel par un jury de spécialistes. Attention, Konkov, Premienko est monté. Rejko était là, c'est lui qui récupère d'ailleurs la balle. Veremeyev. Et oui, on a eu l'impression en l'espace d'un instant qu'on jouait à contresens. Et oui, Veremeyev a voulu mettre tout le monde hors de position. Mais la ligne de Saint-Etienne a tenu bon et les avants soviétiques étaient hors jeu s'ils étaient partis de cette action. Osvaldo Piazza. Lopez. Loin devant pour Sénégal. Sénégal qui tente de déborder. Et a du mal avec Matvienko. Touche soviétique. Pour Veremeyev sûrement, oui. Qui a retrouvé Matvienko. Mais on perd la balle, récupéré. Sénégal, attention. Patrick Gravelli a essayé de redonner à Sénégal. Et c'était de justesse. Alors que Rocheteau s'est jeté sur l'action. Et c'est là qu'on voit que Rocheteau est émoussé parce qu'il est certain que dans son état habituel, il serait peut-être parvenu le premier sur cette balle. Mais il a eu un temps d'arrêt. D'ailleurs, il demande à sortir Rocheteau. Rocheteau est à terre. Ne se relève pas. Tire sur son pied. Et ça, c'est dramatique. Puisqu'il reste plus de 10 minutes à jouer et que Rocheteau risque de sortir. Ça, c'est terrible. C'est le propre des prolongations. Cette demi-heure de jeu imposée aux joueurs. Rocheteau, n'oubliez pas, avait été blessé. On avait craint jusqu'au dernier moment qu'il puisse tenir sa place. Et puis le docteur Poti lui avait permis de jouer. Mais il ne semblait peut-être pas à jouer aussi longtemps. Damine pour Blokhin. Contré par Batnay. Patrick Gravelli. Santini, Batnay. Sinagel. Arrivé trop tard. Parizon en face de Trotchkine. Deux arrières face à face. Tous deux offensifs d'ailleurs, un peu dans le même style. Batnay pour Patrick Gravelli, ah, la balle est trop longue. Damine. Blokhin qui a essayé de relancer Damine, mais qui avait rencontré Jean Vion sur son passage. Attention, ça peut être dangereux. Mais non, Blokhin préfère donner à Damine plutôt que d'essayer de passer Jean Vion. Tant devant le but. Balle à l'effet qui était très difficile. Et tranquillement, Kurkovic, Jean Vion. Attention, ah ça c'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre avec les soviétiques devant le but. Et intervention, Patrick Gravelli qui prend toutes les balles, qui fait absolument un match extraordinaire. Santini, un centre long, oui. Piazza reprend. Ah c'est difficile. Et Piazza, voilà, a mal à sa jambe. Piazza est blessé. Piazza doit avoir une crampe. Je vous ai dit qu'il boitait pas tout à l'heure. Et oui, la fatigue commence à se faire sentir. Il reste 9 minutes à jouer.
avant la fin de la prolongation. Et bien entendu, ces minutes seront très dures pour les Stéphanois. Tout à l'heure, c'était Rostow qui avait une crampe. Là, Pierre Badel vous permet de voir Piazza, Osvaldo Piazza, qui souffre d'une crampe. Cela ne trompe pas. On appuie sur son pied. Évidemment, il vaut mieux que ce soit une crampe qu'un claquage, car vous savez qu'après une crampe, on récupère assez vite. Il boite un petit peu, mais Piazza est solide. En tout cas, il y a des joueurs qui ont une condition physique extraordinaire à Saint-Etienne. Je pense notamment à Battenay, qui court toujours autant, et Patrick Revelli, mais qui lui, bien entendu, n'a joué qu'une deuxième mi-temps, et c'est pour cela qu'il est plus frais que les autres. Le match maintenant peut se jouer sur un coup du sort. Je vous rappelle que Saint-Etienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Revelli là. Oui, va-t-il centrer? Et c'est Rostow qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rostow. But de Rostow. Oh, c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit, Patrick Revelli est en grande forme. Il a réussi à dribbler toute sa défense et à donner un retrait à Rostow qui a marqué. Et oui, Rostow qui souffrait de crampes il y a peu de temps, réussit le but. Alors qu'il reste 7 minutes. Voyez, nous revenons cette action. Et notamment, Patrick Revelli qui réussit à dribbler. Premier coup, deux fois même. Un retrait pour Rostow. Voyez, Rostow qui du pas du pied. Rudakov est battu. 3-0 pour Saint-Etienne. Ah, il n'a plus que 7 minutes à jouer. 7 minutes qui vont paraître longues aux 40 000 spectateurs. Et à vous sans doute les spectateurs, car maintenant, Saint-Etienne est qualifié pour les demi-finales. Bien entendu, si Saint-Etienne ne prend pas un but au cours des 7 dernières minutes, car si Kiev marque, Kiev serait qualifié. En effet, Kiev ayant gagné 2-0 à Kiev, marquant un but ici, donc perdant par 3-1, Kiev serait qualifié car en cas d'égalité, le but marqué à l'extérieur compte double. Voilà, alors Kiev maintenant a 6 minutes pour marquer un but et se qualifier, mais je vous le rappelle, Saint-Etienne mène par 3-0. But marqué par Piazza, par Larqué au cours du temps réglementaire, et par Rostow au cours de la prolongation. 3-0 donc pour Saint-Etienne. Le miracle se reproduit. On se souvient qu'il y a 7 ans, le Bayern de Munich avait battu Saint-Etienne par 2-0. Et ici à Saint-Etienne, les Stéphanois avaient gagné par 3-0. Ah, le public est déchaîné. Maintenant c'est Saint-Etienne qui garde la balle, qui prend tout son temps. C'est de bonne guerre. Les Soviétiques le faisaient aussi au cours de la première mi-temps. Plus que 6 minutes, plus que 6 minutes à tenir, et Saint-Etienne sera qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, comme l'an dernier, mais après avoir éliminé le Dynamo de Kiev. En tout cas, Pierre Cangioni, les 5 dernières minutes vont être très longues. Et oui, comme l'émission très connue, mais il ne faudrait pas que les Stéphanois commencent à jouer ce qu'ils ont fait, là, cette phase de jeu que vous venez de voir, cette sorte d'anti-jeu devant les buts, ça ne porte jamais chance. Je pense, moi, qu'ils ont encore des ressources, il faut continuer à faire le jeu et continuer à étouffer les Soviétiques et non pas essayer de gagner du temps. Attention, Vermeyev, Damine est venu. Courtois contre Piazza, tiré par Vermeyev sans doute. Alors que Patrick Revelli essaie de gagner du temps en contestant la décision Troshkin. Troshkin, attention, du pied droit. Et il y a eu un contre sur la tête, heureusement. Ça partait bien. Concorde relance encore. Kurkovic, magnifique. Sur la tête de Nichenko. Ah, il faut tout le sang-froid maintenant possible à la défense stéphanoise. On peut faire confiance à Kurkovic, il a l'habitude des grandes rencontres. 23 sélections nationales en Yougoslavie. Mais l'arbitre va siffler si ça continue. On n'a pas le droit de perdre du temps volontairement. L'arbitre peut rajouter du temps. Et il reste 4 minutes, c'est le décompte. Blockin. Non, Parisan ne s'est pas laissé avoir.
Reschko très haut, mais qui s'est appuyé sur Patrick Revelli. C'est un coup franc pour Saint-Étienne. C'est un des plus grands spectacles qui nous a été donné de retransmettre à la télévision. Tout y était, la classe des équipes, le suspense qui a régné. Et puis maintenant, cette attente. Sinagel, Rocheteau, bousculé au départ par Sofkin qui le cisaille carrément. Décidément, Sofkin est peut-être un grand arrière européen, mais il n'a pas fait de cadeau au Stéphanois à Saint-Ferropol et il n'en fait pas davantage ce soir. Le geste était très méchant, Rocheteau n'étant même plus en position du ballon. 3 minutes à jouer. 3 minutes à jouer. Battenet centre. Romenko repousse. Battenet encore. Il faut tenir à tout prix. Santini. Avec Vermeyev. Santini encore à la lutte. Vermeyev a essayé de repartir et concède une touche. À chaque action est importante. Non pas les mêmes, mais par ce qu'elle peut provoquer. Par les répercussions qu'elle peut avoir. Voilà, on discute un peu la touche de Bonne-Guerre. L'arbitre fait refaire la touche. C'est toujours autant de gagner. Santini ne l'ignorait pas. Vermeyev à la touche. Il ne boite pas d'ailleurs. Reschko. Vermeyev. Konkov. Blokhin. Un exploit de Blokhin est toujours possible de Nichenko. Vermeyev. Alors que Rocheteau, blessé, s'est jeté sur cette balle. Il reste théoriquement 2 minutes à jouer. 2 minutes. Konkov. Il y a un spectateur qui est à côté de moi, en parlant de la pendule, avancez là. Onichenko. Onichenko qui a tenté un départ, relayé par Blokhin. Blokhin qui est passé cette fois-ci. Attention, Jean Vion, dernier espoir. Et oui, heureusement. Corner concédé par Jean Vion sur le départ de Blokhin. Attention le corner, Onichenko. Vermeyev en soutien. Blokhin a centré. Damien. Damien peut partir à droite, attention. Ouf. Oh là là là. Il reste une minute et l'arbitre a sifflé hors jeu. L'arbitre a sifflé hors jeu. Vous voyez maintenant le décompte. Nous sommes dans la dernière minute de jeu pratiquement. À quelques secondes près, pour ainsi dire 30 secondes. Saint-Étienne est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Europe. Moins de 30 secondes maintenant et Saint-Étienne est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Europe en venant à bout de l'équipe qui a gagné l'an dernier la Coupe des Coupes, qui a gagné la Super Coupe Européenne, le Dynamo de Kiev. Ce sont les toutes dernières chances de l'équipe de Kiev. Damien à l'attaque, une balle de Battenet pour Kurkovic. Les joueurs stéphanois pensent que l'arbitre a sifflé, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est fait sur ce coup de sifflet de M. Gonella. C'est une des plus grandes victoires du football français. C'est une des plus grandes victoires de la AS Saint-Étienne, qui est actuellement le flambeau de ce football. Avec, ne l'oublions pas quand même, la plupart des joueurs sortis par le club et ont débuté au club. C'est un grand moment du sport que vous avez vécu ce soir en notre compagnie. Jamais nous ne pensions que cette dramatique connaîtrait un dénouement aussi heureux. Eh bien, c'était le cas. Rappelons qu'ici, au stade Geoffroy Guichard, devant 30 000 spectateurs, enthousiaste est-il besoin de le dire, l'équipe de la AS Saint-Étienne bat l'équipe de Kiev par 3-0 et se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Europe. Voilà, sur ces images d'enthousiasme, je vous dis bonsoir. C'était un reportage de Jean Reynal et Pierre Cangioni, des images de Pierre Badel. Ici Geoffroy Guichard, à vous les studios.